Molt bé, doncs, tinc so? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Ahora sí. Bien, parfait. Nous allons donc reprendre ponctuellement. J'espère que comme ça, on pourra avoir suffisamment de temps. Nous aimerions aussi saluer nos collègues des Pyrénées-Orientales et nous voulons vraiment qu'ils aient suffisamment de temps pour qu'ils puissent aussi déjeuner avec nous. Nous allons maintenant passer donc à cette partie des sessions un petit peu plus centrée sur le travail du projet ARTIS. Comme vous le savez, c'est l'art pour l'inclusion sociale. Et lorsque nous avons commencé à penser ce projet, vers la fin de l'année 2017, début 2018, une des choses que nous avions envisagées, parce qu'il y avait de très bonnes initiatives, nous avons connu Sonia, par exemple, nous avons un petit peu jeté un coup d'œil à ce que faisaient des collègues de différentes institutions nationales, des entités sociales. Les initiatives qu'il y avait à ce moment-là étaient fantastiques. Mais nous avions aussi l'impression que tout était un petit peu irrégulier, que les gens travaillaient, mais que tout dépendait beaucoup de l'initiative personnelle, que tout dépendait un peu des sensibilités spéciales de certains. Tout dépendait donc de ce que quelqu'un peut-être soit un peu insistant pour qu'il y ait ces projets sociaux. Mais nous pensions qu'il n'y avait pas vraiment un mouvement. Dans le cadre maintenant expliqué par Jordi, depuis 1966, le cadre des Nations Unies nous parlait déjà des droits culturels. Toutefois, mis à part quelques personnes très concrètes, nous pensions dans le département de culture qu'il n'y avait pas vraiment une sensibilité implantée, qu'il n'y avait pas de groupe de travail et qu'il n'y avait pas d'institution vraiment qui progressait dans ce sens-là. Et nous n'étions donc pas vraiment dans le mainstream de la culture et nous ne faisions même pas partie des plans élaborés par les départements de culture. C'est pour cela que nous avons pensé, lorsque nous sommes rentrés dans le projet POCTEFA, que le fait de rentrer dans un projet européen pouvait aider à donner un certain prestige à notre travail. Et c'est pour cela que nous avons aussi pensé qu'il fallait peut-être faire en sorte que certaines institutions collaborent avec nous. C'est pour cela que nous nous sommes mis en contact avec le Musée national, avec l'auditorium, avec l'Agence du patrimoine, et nous les avons convaincus. Nous les avons convaincus pour qu'ils entrent dans le projet. Certains y avaient déjà pensé. D'autres, peut-être, avaient cette idée de façon un petit peu embryonnaire, mais petit à petit, ils ont décidé donc de nous rejoindre. Nous avons après donc entrepris donc notre voyage vers les Pyrénées, vers la région de l'Occitanie, parce que nous avions déjà des contacts professionnels avec Toulouse, par exemple. Il y avait déjà un contact vraiment qui était très étroit, qui était très intense. Et ceci nous a aidé petit à petit à ouvrir nos frontières à l'autre côté pour pouvoir comme cela mettre en place ce projet. Un projet qui a peut-être débouché sur différents types de couples, entre guillemets couples. Le monde de la musique, le couple de la formation, le couple de l'organisation. Et
petit à petit, tout ceci a terminé par configurer cette structure en trois blocs du projet POCTEFA. Et c'est précisément sur cette architecture que nous allons nous centrer maintenant. Nous allons donc nous centrer sur ces différents piliers du projet POCTEFA. Notre intention n'est pas vraiment d'expliquer les détails du projet en tant que tel, mais surtout, nous voulons voir un petit peu ce qui a bien marché et quels ont été les atouts de ce projet. Et j'aimerais également remercier ici très sincèrement et à haute voix toutes les personnes qui ont participé au projet. Merci beaucoup pour cette implication parce que les années ont été vraiment difficiles à cause de la pandémie. Mener à bien un projet avec ces caractéristiques n'a pas du tout été facile. Après presque 3 ans de travail, nous nous sommes pratiquement connus dans ces derniers mois, parce que nous avons fait beaucoup de réunions par visioconférence, on s'est envoyé beaucoup de courriers électroniques, mais jusqu'à ces derniers mois, nous n'avons pas vraiment pu vous voir sans masque et sans écran au milieu. C'est pour cela que, vraiment, je voulais vous remercier pour votre implication et pour tous les efforts que vous avez faits. Merci donc à ceux qui venaient des institutions, des Pyrénées-Orientales, de Toulouse et aussi de la Catalogne. Merci aussi à mon équipe du département de culture qui, vraiment, a beaucoup ramé lorsque les conditions étaient compliquées. Ils nous ont aidés donc à mener ce projet à bon port. Bien, donc, une fois cette présentation faite, je pense que nous pouvons passer au premier bloc de débat que nous allons ouvrir, entamer. Nous allons maintenant parler concrètement du domaine musical, les matins d'orchestre qui ont vraiment ultrapassé les frontières. Parfois, les équipements musicaux, surtout lorsqu'il s'agit de musique classique, peuvent nous sembler un petit peu éloignés pour des gens qui sont des experts, pour des gens qui sont de fins connaisseurs peut-être en musique classique. On peut même peut-être parfois penser qu'il s'agit d'ambiance un petit peu élitiste lorsqu'on n'est pas dedans. Lorsque nous nous sommes mis en contact avec Toulouse, nous avons connu certains des projets qu'ils étaient en train de mener à bien. Et vraiment, ils ont pu nous manifester que, bien au contraire, que contrairement à ce que nous pensons, oui, il s'agit de culture en majuscule, mais qu'ils sont aussi très capables de s'approcher des quartiers, de vraiment se mettre à travailler sur le terrain. Et pour nous, ceci a été une magnifique découverte. Nous comptons aujourd'hui donc sur la présence de deux Sonia. Sonia Gainza, qui est la directrice d'Apropa Cultura, rapprocher la culture de l'Auditorium de Barcelone, et Sonia Dablan, conseillère déléguée de l'Orchestre national de Toulouse. J'aimerais donc que vous nous expliquiez en quoi consistent vos projets. Par exemple, les matins d'orchestre, les matins d'orchestre, et tous les matins d'orchestre en France. En quoi se basent-ils, ces projets? Nous n'entendons pas. Désolée, mais madame doit brancher son micro, car sinon nous n'entendons rien. Non, c'est le micro qui ne marche pas. Non. Ah, maintenant, voilà. Oui. Oui, maintenant, ça va. Oui, ça marche. Oui, madame. Excusez-moi, donc. Alors, les matins d'orchestre, les matins d'orchestre, c'est une activité qui revient un petit peu sur ce que disait Jordi Pasquale. Et il s'agit d'une activité qui est née de l'obstacle à participer dans la culture. C'est un projet qui vient directement donc de l'Auditorium de Barcelone. Nous avons donc un programme quotidien, c'est notre programme de concert évidemment, mais nous nous étions rendus compte aussi qu'il y avait
plusieurs groupes de personnes, les personnes, par exemple, souffrant de handicap, les personnes avec des troubles de la santé psychique, les personnes très âgées, les personnes qui ont peut-être un Alzheimer. Il s'agit de personnes qui, pendant la journée, par exemple, à cause de leurs horaires, n'avaient aucune possibilité de profiter de l'offre culturelle de concerts de nos salles. D'un autre côté, ces personnes ont des besoins spécifiques. Ils sont peu, par exemple, enclins à garder le silence, à avoir un certain comportement, des problèmes de mobilité parfois. Donc, nous voulions, avec notre programme Rapprocher la culture, ouvrir nos programmes de concert. Et malgré tout, ces personnes, ces collectifs ne pouvaient pas participer. C'est pour cela que nous avons créé cette activité musicale participative, les matins d'orchestre, ce qui veut dire que le matin, nous ouvrons nos salles de l'auditorium à la communauté, et tout ceci basé sur trois piliers. D'abord, il y a le contact avec les musiciens. C'est des personnes qui, de façon volontaire, ont ces réunions, ces rencontres avec ces collectifs. C'est une rencontre musicale. Ces musiciens jouent leurs instruments pour ces personnes-là. Nous n'entendons plus. Non, tout d'un coup, le micro ne marche plus. Désolé, mais pas de son en cabine. Hola? Sí. D'accord. Gracias. D'accord. Je disais donc que cette activité se décline sur trois parties. D'abord, il y a donc cette rencontre avec les musiciens de l'orchestre pendant 10-15 minutes. Ils jouent leurs instruments dans une ambiance très amicale, très tranquille. Je me souviens, par exemple, d'une personne qui souffrait d'un handicap qui a posé une question au musicien et lui a dit s'il avait une fiancée ou pas. Donc, ils posent les questions qu'ils veulent. Et après, il y a donc cette répétition musicale, mais dans une ambiance aussi très détendue. Évidemment, l'acoustique de l'auditorium nous permet d'avoir cette répétition avec beaucoup de qualité. Et l'activité principale, là, à nouveau, nous n'avons plus de son. Désolé. Certains des instruments, nous les avons achetés. Non, le son va et vient. Bon, moi, j'ai déjà terminé. Hein. De toute façon, je terminais déjà. Est-ce que vous avez pu suivre un peu? Bon, de toute façon, sur les photos, vous pouvez voir ce que nous avons fait. J'aimerais dire que pendant la pandémie, lorsque nous avons dû fermer nos portes, nous avons pu mener ces activités dans les centres et aussi en streaming. L'idée était donc de dépasser les obstacles. Déjà, il y avait ces obstacles dans le monde de la culture. Avec la pandémie, nous avons dû donc rapprocher nos activités des centres donc pour ces groupes de personnes avec des difficultés et surtout aussi surmonter les problèmes de la pandémie. Sonia. Non, là non plus, nous n'entendons pas. Désolée. Bonjour à tous. L'objectif, c'était effectivement pour Toulouse de s'inspirer et de reprendre en fait les bases du travail que Barcelone avait déjà mené depuis quelques années, de s'inspirer de la réalisation qui avait été faite et de l'adapter à l'Orchestre du Toulouse, à notre salle, à notre public et aux contraintes que l'on pouvait avoir sur notre terrain. Donc nous, on a mis en place des sessions, 10 sessions de musicothérapie, avec effectivement un travail comme un parcours musical que l'on propose à des petits groupes de 4 à 6, 8 personnes en situation de handicap adulte et que l'on accompagne petit à petit en se servant de la musique classique comme un instrument sur les valeurs d'écoute, de partage, de rythme, toutes ces valeurs que la musique classique peut apporter. Et petit à petit, on amène les personnes à venir à la Lograin, à faire une rencontre avec les musiciens de l'Orchestre du Capitole et partager un moment de répétition avec l'orchestre. Et ensuite, on met ce groupe en situation de musiciens en leur mettant dans les mains voilà, des instruments
typiques de l'orchestre classique, que ce soit des contrebasses, des harpes, des timbales. Et on profite voilà, de ce moment et de ce rapprochement effectivement, que l'on a pu mener au bout de 10 sessions et d'accueillir de manière simple et avec toute notre bienveillance ces personnes sur la Halograin, sur la scène, et de se mettre en position de musicien. Merci. Il y a aussi une autre question qui, en fait, avait été soulevée lors d'une réunion avec vos équipes, où l'on disait que les musiciens, les gens qui avaient commencé ce type d'activité au début étaient un petit peu réticents par rapport au programme. Certains nous avouaient qu'ils étaient réticents, mais qu'à la fin, ils étaient très contents et même embrassaient les participants. Pouvez-vous nous parler au sujet de cette évolution ? C'était quelque chose de tout à fait nouveau pour l'Orchestre du Capitole. Et l'air de rien, sur ces trois saisons que l'on a pu avoir avec ce projet, on a fait 300 rencontres. Donc effectivement, il y a une certaine appréhension au départ de partage et d'accueil de ces personnes en situation de handicap. Il y a toujours des freins, on a des problématiques de compréhension, il y a toujours des peurs, des frayeurs, une honte aussi de se retrouver en difficulté pour ne pas avoir à partager facilement. Et petit à petit, on a senti que les musiciens étaient de plus en plus à l'aise et qu'il y avait de plus en plus de connivence et de compréhension. Et puis de facilité, effectivement, de proximité qui se menait. Et voilà, donc on est très, très fiers, effectivement, d'avoir eu ce projet qui a finalement rapproché les êtres humains, tout simplement. Dans le cas de l'Orchestre symphonique et national de Barcelone, l'OBC, au début, nous avons compté sur la participation de 5-6 musiciens qui étaient déjà de grands supporteurs, parce qu'ils faisaient déjà tout cela à titre individuel. Et en plus, ces personnes voulaient travailler par couple, parce qu'ils pensaient que c'est toujours beaucoup plus dynamique. C'est comme les clowns, ça marche toujours mieux si on travaille par pair et non pas individuellement. Et donc, ces orchestres ont dit, moi, je vais inviter un collègue. Et donc, à cause de cela, au lieu d'avoir 5 musiciens, au début, il y en avait 10. Et tout d'un coup, ces 10 ont invité 10 de plus. Maintenant, ils sont donc 20. Et au début, je me souviens que certains musiciens disaient, moi, je ne vais pas jouer, je ne vais pas participer, mais je veux être un observateur. D'autres, par exemple, avaient eu certaines expériences dures, par exemple, dans les maisons pour des personnes démunis et ils ne voulaient pas répéter ces expériences si dures, mais ils voulaient venir voir un peu. Donc petit à petit, il y a eu une évolution. Nous avons toujours des hooligans, nous avons toujours ces supporters, ces personnes qui disent, s'il y a besoin de quelqu'un, moi je viens, j'improvise. Il y a une très grande complicité en général des musiciens et leur retour, d'après leur retour, nous voyons qu'en général, ils nous disent qu'ils sont très contents que dans la rencontre avec ces personnes, les musiciens trouvent un autre sens. Il retrouve surtout aussi le grand pouvoir de la musique. Et il voit aussi les effets directs en première personne, donc ce qui représente une grande gratification. C'est une sorte d'effet de tache d'huile. Oui, c'est important. Je suppose que vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, c'est très important ce que vous dites parce que, en fin de compte, c'est ce qui donne de la force et un sens au projet. Il y a un autre aspect sur lequel j'aimerais vous poser une question. Étant donné que vous avez travaillé dans un projet européen, et je sais que parfois c'est un peu ennuyeux parce qu'il y a beaucoup d'attestations, de documents, de démarches administratives à faire, on connaît ce que c'est cette bureaucratie, mais finalement ça se termine comme si c'était un parapluie, non? J'aimerais savoir donc le fait d'être dans un projet européen, évidemment cela suppose des ressources, mais j'aimerais savoir, du point de vue interne, est-ce que cela vous a supposé peut-être plus de prestige, plus de visibilité? Pensez-vous que c'est important d'avoir pu travailler dans ce cadre européen? Pour nous, déjà, ça a été un petit caillou. Petit à petit, on a monté un chemin, on a relevé des défis et on a osé. On a osé grâce à ce projet, à faire quelque chose qui nous tenait à cœur, mais qu'on ne savait pas
par quel bout le prendre, en fait. Hein. Et cette notion de partage d'expérience, ce retour d'expérience, a été un vrai plus pour se sentir un peu plus légitime pour travailler avec ces personnes en situation de handicap et d'amener cette culture, effectivement, et des valeurs de la musique classique symphonique, comme on dit, hein, qui est vraiment toujours considéré comme pour une élite. Donc c'était très important, effectivement, de faire un pont entre l'orchestre, la musique classique symphonique et effectivement, cette notoriété qui accompagne aussi le fait qu'on soit un orchestre national, d'avoir effectivement cette reconnaissance européenne derrière nous, fait qu'il y a une espèce de tache d'huile, en fait, et d'ambassadeur, en fait, de projet qui se met petit à petit, et on commence à être reconnu. Donc on a beaucoup de personnes maintenant de structures qui viennent vers nous, qui nous proposent d'autres projets, qui voudraient qu'on ouvre encore plus à d'autres personnes. Donc oui, c'est très très positif. Oui, pour en rajouter un petit peu. Moi, je pense que lorsqu'il y a des ressources, indépendamment de la source d'où ils viennent, ceci te permet de faire des choses que peut-être tu ne ferais pas. Cet échange avec la France nous a beaucoup inspirés. Par exemple, il y a aussi toute une exposition de photos sur les musiciens, l'approfondissement dans les projets. Tout ceci a été très positif. Quand il y a de l'argent, on ose faire des choses que l'on ne ferait pas s'il n'y avait pas de ressources. Par exemple, dans notre cas, il y avait un coordinateur qui a répliqué cette expérience dans 4 orchestres catalans. Nous avions les ressources pour le faire. Et maintenant qu'il n'y aura peut-être plus de ressources, qu'allons-nous faire? Eh bien, chercher l'argent pour le faire. On parle souvent de pérennité. Eh bien, moi, je pense que la condition vraiment préalable pour que tout continue, c'est de vouloir le faire. Parce que le prix des choses, c'est la valeur que tu attribues à ces choses. Et moi, j'aimerais principalement citer 3 témoignages des utilisateurs. Je me souviens d'un proche, d'une personne qui souffrait d'Alzheimer, qui, après le concert, m'a dit « Aujourd'hui, je me suis rendu compte que cette salle de concert est pour tout le monde. » Parce que cette personne s'était rendue compte que son épouse était absolument connectée avec la musique. Et lui, il s'était senti connecté avec sa femme aussi. Je me souviens aussi, l'année dernière, une personne avec un handicap intellectuel qui s'est mis à pleurer et nous étions tous très préoccupés et cette personne a dit « Je verrai mes parents le week-end, je suis si émue que j'aimerais leur raconter ces émotions aujourd'hui mais je ne les verrai pas jusqu'au week-end, je suis donc très triste. » Toutes ces impressions, tu les gardes, tu les graves dans ton esprit. Et un dernier témoignage, c'est le cas de personnes qui sont dans une maison donc pour personnes âgées et l'éducatrice me disait, ils sont si contents d'avoir pu venir dans votre salle de concert parce qu'ils ne peuvent presque pas sortir. Et maintenant, grâce à cette activité culturelle, ils sont beaucoup plus en contact avec les émotions, avec les expériences. Et donc, ces expériences très vivantielles. Donc, lorsque tu vis un impact comme celui-ci, je vous assure que tu essayes vraiment de répandre ce type d'activité et de chercher, de dénicher des ressources partout parce que c'est une expérience que tu veux que d'autres puissent vivre aussi. Oui, c'est vraiment fantastique, formidable ces retours du point de vue émotionnel. Merci Sonia. J'ai une autre question pour vous. Je sais que vous avez déjà toutes les deux une relation de travail très intense entre l'auditorium et le Capitole. En fait, lorsque je suis allée à Toulouse pour expliquer le projet, je voyais qu'il me regardait comme en pensant « Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il vient nous vendre ?» Mais je vous assure que la collaboration, l'intensité, la confiance qu'il y avait entre les uns et les autres, et ce qui a aidé, c'est ce qui a aidé et contribué à cette collaboration. S'il n'avait pas eu cette confiance, ceci n'aurait pas marché. Croyez-vous qu'un projet comme celui-ci, qui vous a peut-être rapproché d'un domaine différent, comme la qualité, l'excellence musicale, c'était sans doute ce qu'il y avait en commun entre vous. Pensez-vous donc que ce projet a fait votre collaboration plus forte? En fait,
on a continué à faire des échanges et effectivement le Covid nous avait un petit peu limités pour aller faire un peu d'immersion les uns avec les autres. Donc effectivement de pouvoir accueillir Barcelone à Toulouse et que Toulouse puisse venir à Barcelone et qu'on puisse échanger sur nos pratiques, sur les parcours que l'on mettait en œuvre et sur tous les autres parcours d'inclusion que l'on propose également. Et effectivement, on sort de là beaucoup plus fort et avec encore plus d'ambition et encore plus de projets à développer. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que à partir du moment où on voit effectivement le retour des personnes voilà en situation de handicap Parkinson qui se retrouve à jouer de la musique et qui tout d'un coup n'a plus sa main qui tremble ou qui se lève de son fauteuil en oubliant qu'elle avait un fauteuil pour aller diriger ou attraper un instrument, enfin c'est des choses qui marquent tellement qu'on sait qu'on doit aller et faire encore plus. Je crois que ce qui a été très intéressant de Toulouse, c'est de voir le regard d'un autre orchestre, donc qui est dans la même réalité, et qui, pour des caractéristiques différentes, en raison de l'espace ou autre, parce que dans ce rapport de confiance, on peut parler aussi des choses qu'on peut améliorer, et on s'est fait des commentaires. Par exemple, il y avait un espace avec des images, des photos des principaux invités. Et on leur disait, et vous n'avez pas le même orgueil pour mettre des photos de toutes ces rencontres. Et on a pensé qu'ils avaient raison. Et donc, on s'est fait ces critiques complémentaires. Peut-être y travailler avec moins de gens, mais peut-être plus en profondeur tout le long du temps. Et nous avons décidé qu'avec ces établissements veulent avoir un rapport à la musique plus approfondi, au-delà d'une sortie. Et donc, malgré tous les handicaps, tous les avantages, c'était une expérience très enrichissante. Merci, je crois que nous devons vous féliciter pour le succès de ce projet. Je suis très fière de cette partie de Artis et j'espère que cela va continuer à l'avenir. Un applaudissement. Merci. Molt bé, doncs, sí, el bo guarda'l, sisplau. Molt bé, doncs jo ara demanaria que pugin a la... Donc, je vais demander a Josep Miquel Faura, Inés Kaiser, Ana Maria Paredes et Matu Bericas de nous rejoindre. Devia arribar una cadira nova, però no ha arribat. O sigui que... Devia avoir une nouvelle chaise. La voici. La voici. Bueno, una miqueta, vinga. Molt bé. Si l'hem de posar... No sé si el podem... Si l'hem de posar aquí amb el micro aquest, el gel... Ah, vale. Sí. Agafo els papers, que els he perdut. Molt bé, doncs anem per la segona. Donc, nous allons attaquer la deuxième partie dans les lignes d'action dont je vous parlais. Et on va parler d'une collaboration très, très, très positive qui nous a permis... cette co-création. Et je crois qu'elle nous a donné un nouveau regard sur les musées qui utilisent peut-être les mains à la place des yeux, les mains à la place de la voix pour expliquer, par signe, pour montrer et pour signer. Et c'est un sujet qui m'a beaucoup plu parmi les expériences que nous avons vues.
Nous avons Josep Miquel Faura du Musée national d'art de la Catalogne, qui est le coordinateur de responsabilité sociale. Ensuite, nous avons Inès Kaiser, du responsable du projet Artis au musée Hyacinthe Rigaud, et aussi Martu Paricas, qui est une première médiatrice du projet Signem Museus, Signons les musées, qui va nous expliquer les expériences des visiteurs en langage, en langue de signes. Notre interprète, nos interprètes vont faire aussi cette interprétation qui, je pense, est une expérience très intéressante. On pourrait peut-être commencer par les amis du MENAC et du musée Rigaud pour que vous nous expliquiez un peu les projets essentiels, les projets de maquette, de cette nouvelle vision dont on parlait. Peut-être on commence par vous. Je crois que ça c'est le bon micro. Oui, c'est bon. Bonjour. Merci beaucoup pour répondre. Bon, tout d'abord, merci de nous avoir invités et tout ce qu'on dit dans ces situations. Pour répondre à cette question, je voudrais tout d'abord, en 15 secondes, vous dire que ce projet est entré, ce musée, à travers moi, parce que la direction m'a appelé parce que j'avais le projet de responsabilité sociale du projet et donc on a fait appel à moi, mais je n'ai aucune expérience concernant l'accessibilité et donc c'est Teresa González qui s'y connaît. Donc nous avons essayé d'établir des ponts. Jordi Pascual a montré le cadre général et nous avons à l'intérieur de cela le cadre de responsabilité sociale du musée et à partir de là nous avons on a parlé de la durabilité, de l'inclusion et donc ce projet a permis de construire tout l'état d'esprit, tout le processus mental que demande à tous nos collègues du musée pour changer ce point de vue en toute conscience et avec aidé par toutes les composantes du musée. Vous pouvez me dire redire la question, s'il vous plaît. Je vais passer le micro à Teresa. Lorsque cette opportunité de participer à un projet européen est arrivée avec un sponsoring important, et le musée avait déjà fait une auto-évaluation pour savoir à quel point on était du point de vue de l'accessibilité, nous avions détecté qu'il y avait des manques essentiels parce que, par exemple, dans les musées d'art, il manquait une approche sensorielle aux collections. Nous avons de suite vu qu'il fallait aller dans ce sens et que c'était là l'enjeu. Et donc, ce projet à chercher à développer l'aspect de proximité sensorielle des collections. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, des boucles magnétiques dans toutes les réceptions du musée, cela veut dire le développement d'une maquette tactile du palais, une maquette sur le bâtiment, parce que quand on parle d'inclusion, on veut dire tout le monde. Ça veut dire aussi qu'il fallait développer des activités familiales liées à l'histoire et à l'architecture du Palau National, où peuvent participer des personnes voyantes et non-voyantes. 21 tables tactiles dans la collection qui doit permettre à toute personne, voyant ou non-voyant, d'accéder aux collections d'une façon beaucoup plus sensorielle. C'est
comme disait Francesc, le public pourra avoir à travers ses mains, se rapprocher des collections d'une façon sensorielle. Ça, ça serait le résumé des actions que nous avons menées à bien et que nous voulons continuer à développer concernant l'activité sensorielle dans le musée. Et le musée Rigaud, qui est un des plus beaux musées, je sais que vous avez travaillé aussi sur la lecture facile pour faciliter la compréhension des visiteurs. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça marche? Ça marche? Bonjour, oui. Donc oui, le musée Rigaud, à l'invitation du MNAC, a choisi également d'aborder principalement l'accessibilité aux personnes souffrant de handicap visuel, donc malvoyants et aveugles. Et c'était là un défi principal hein, pour un musée, comment sentir, ressentir des œuvres qu'on ne peut pas voir alors que c'est le principal organe, hein, la vision. Donc de la même façon, le musée s'est concentré sur une visite tactile avec donc des reliefs, des œuvres mises en relief, des tableaux aussi dont on crée complètement le relief, hein, des tableaux qui deviennent entièrement tactiles, on perçoit entièrement les détails grâce à une mise en 3D. Et puis, des œuvres également qui pourront être touchées directement, des sculptures qui pourront être manipulées, parce que c'est aussi important de pouvoir toucher directement une véritable œuvre d'art. Et puis par ailleurs, effectivement, comme vous disiez, on a travaillé sur des outils, notamment de lecture facile, le facile à lire et à comprendre, qui permettent d'avoir une accessibilité un peu plus large. C'est un outil qui est d'abord développé pour des publics en situation de handicap intellectuel. Mais en fait, lorsqu'on pense... pour un public, l'accessibilité, on se rend vite compte qu'on rend accessible de façon quasi universelle. Et ces outils, c'est là leur intérêt, et je pense que c'est le cas aussi pour mes collègues au MNAC, ils vont permettre une accessibilité générale, universelle des œuvres d'art. Parce qu'après tout, toucher une œuvre, eh bien, ça touche absolument tous les publics, finalement, les enfants, les familles, les voyants comme les non-voyants peuvent accéder à ça. Et donc c'est dans cette optique-là que le projet est devenu véritablement très intéressant pour le musée Rigaud en particulier. Molt bé, molt bé. Doncs, moltes gràcies. I ara m'agradaria que la Marta ens expliqués una miqueta. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais que Marta nous explique un peu le projet qui s'appelle Signem Museus, Signons les musées. Comment est-ce qu'on utilise les mains comme objet de communication, non seulement pour toucher, mais pour communiquer avec les personnes qui viennent? Le projet Signons les musées, nous sommes deux personnes... non-entendants, avec des profils différents. Et c'est un projet très intéressant parce que la communauté sourde, jusqu'à présent, n'avait pas cette accessibilité. Il manquait des ressources. Il y avait d'autres ressources, l'interprète, le regard tactile, mais on n'avait pas jamais mis de médiateur sourd. Et quelquefois, on ne perçoit pas que les non-entendants sont une minorité linguistique et culturelle. C'est une minorité linguistique et culturelle.
Nous avons mis en place 3 expériences de guidage. J'en ai fait une, mon collègue 2. Et cette communication avec le public nous amène un feedback très facile parce que les médiateurs amènent à cette inclusion beaucoup plus facilement. Dans ce projet Signons les musées, cette inclusion se fait d'une manière beaucoup plus simple. Je crois que c'est important. Très bien. Alors, étant donné que tu nous parles de cela, on pourrait passer à la deuxième question. Je voudrais commencer par toi, Martou, parce que justement, c'est dans la ligne de ce dont tu viens de nous parler. Je crois qu'il est très intéressant dans ces projets, dans ces 3 projets, c'est que ils ont été faits avec la participation des collectivités, c'est-à-dire que ce ne sont pas des projets qui ont été qui viennent du haut, faits par des experts. La participation, toujours dans les 3 projets, vient du bas. Comment est-ce que vous avez travaillé? Comment est-ce que les collectivités touchées l'ont perçu? Comment est-ce que le public l'a vu? Comment est-ce que perçu cette façon de travailler collaborative qui nous apporte des points de vue nouveaux, des choses toutes simples, mais que personne n'avait abordé jusqu'à présent. Tu veux commencer, Martou? Juste avant le démarrage du projet, avec le musée de Vic, et grâce à Karma Comas, des gens qui ont contacté directement avec moi, parce qu'on savait que j'avais fait des études d'histoire de l'art, et on m'a demandé si je voulais faire, si j'acceptais un travail en tant que guide. Et pour moi, c'était le feedback avec la communauté non-entendante a été excellent. Et ensuite, quand nous avons mis en place ce projet avec Anna, elle m'a appelé, j'ai dit qu'en effet, j'étais très intéressée et que j'étais impliquée dès le départ avec ce projet. Le succès a eu, le projet a eu beaucoup de succès. Maintenant, les gens connaissent, veulent recommencer et je crois que c'est un projet à succès qui peut avoir un avenir. Et dans le cas du MNAC, vous avez également travaillé avec comment est-ce que le public réagit? Sí, a veure. Quin lío de micros. No passa res. Naturalment, quan ens plantegem abordar tout ce qui a à voir. Quand on envisage d'aborder les non-voyants, les gens avec des problèmes de vision importants, nous croyons que nous devons être accompagnés par la communauté des non-voyants et nous avons pris contact avec différentes organisations, avec la FIB, B1B2B3, la ONFE, et même une personne qui travaille dans le musée et qui est en train de subir une perte de vision, et d'autres personnes intéressées du milieu de la culture et qui veulent faire du musée un musée accessible. Cela d'une part. Et d'autre part, nous voulions avoir un groupe qui puisse nous accompagner dans ce processus. D'autre part, nous avons demandé la collaboration de l'Université de Barcelone pour qu'elle nous aide à développer ce focus group qui avait comme objectif primordial tout d'abord connaître les nécessités, les intérêts et de quelle façon la communauté des non-voyants interagissait avec le patrimoine culturel. Cela devrait nous aider à avoir une première approche, mais aussi pour travailler pour le concours pour ces tablettes tactiles.
À partir de cette relation, on élabore un document qui est un document prescriptif dans lequel on nous explique de quelle façon la communauté de non-voyants ou de vision limitée est en rapport avec le milieu culturel. C'est-à-dire, est-ce qu'ils visitent les musées ou est-ce qu'ils préfèrent visiter les musées accompagnés d'une façon plus autonome? Il peut y avoir des... On aime qu'on nous explique des choses, mais on aime aussi participer d'une façon naturelle avec les personnes, les amis, la famille, les gens qui nous accompagnent. Tout cela nous a donné des pistes sur la façon dont on devait mettre en place le projet en soi. Ça a été la première intervention. Et le long de ce processus, de cette collaboration avec le focus group, avec cette équipe de personnes, qui s'est produit pendant tout le développement du projet, ce sont les personnes qui ont vu les différentes propositions, les maquettes tactiles. Dès le départ, nous avons vu les personnes qui font aussi le test de toutes ces tables tactiles et les personnes prescriptives qui vont montrer, qui vont propager tout cela dans leur propre communauté. Tout cela va se prolonger dans le temps pour que cela reste dans le musée. Tout cela a fait que le regard des équipes du musée soit différent sur cette réalité. En tous les cas, peut-être nous pourrons davantage développer par la suite. Non, le temps passe, nous ne pouvons pas trop approfondir. Et dans votre cas, Musée Rigaud, comment est-ce que vous avez incorporé ces collectivités dans ce projet? Alors, nous, au Musée Rigaud, l'une des premières choses, tout d'abord, ça a été de se former, bien sûr, d'aller à la rencontre de ces associations. On a la chance de travailler directement avec la municipalité de Perpignan, qui a une mission handicap et qui est en relation directe avec les associations locales spécialisées et qui permettent de tout de suite établir cette rencontre, établir les besoins, commencer à discuter de ce qui peut être mis en place, des attentes aussi des publics. Et donc l'élaboration du projet s'est faite sans cesse en échange avec ces associations locales, mais aussi nationales à plus grande échelle, puisque l'essentiel des prestataires, en fait, qui réalisent nos supports tactiles essentiellement, ce sont des associations qui sont spécialisées dans l'accessibilité à la culture. Et donc, par cet échange à la fois des associations locales qui n'ont pas forcément encore cet accès à la culture, qui sont demandeuses, et de l'autre côté, des associations qui ont déjà l'habitude d'offrir ces prestations, qui ont déjà l'expérience dans d'autres musées, dans d'autres lieux de culture plus généralement, c'est comme ça que s'est construit véritablement le projet, avec, comme le disait Teresa, les différentes attentes qu'il peut y avoir, et entre nous qui coordonnons, qui concevons le projet au musée Rigaud et qui avons nos propres idées sur la question, et puis ce retour qui est absolument essentiel en fait avec ces associations spécialisées et qui peuvent nous mettre en garde. Bien, par exemple, on en discutait, ne pas faire trop, parce que des tables tactiles pour vous, par exemple, nous, les reliefs, eh bien, ça demande une grande attention en fait, de découverte. Et nous, public voyant, avons beaucoup plus l'habitude de demander beaucoup. Et là, par exemple, il a fallu ralentir le pas et se concentrer sur des choses plus efficaces, mieux adaptées, quitte à faire moins. Et donc, ce rapport avec les associations était absolument essentiel. Molt bé, molt bé. Bueno,
Para caballos, voldria fer una pregunta doble. Et là, je voulais faire une question double. Tout d'abord, quelle a été la leçon la plus importante que vous avez appris à partir de cette expérience? Parce que quelquefois, quand on met en place des choses nouvelles, il est difficile. Quelquefois, on se trompe ou pas. Enfin, on apprend toujours quelque chose. Et je voudrais que vous puissiez nous dire quelque chose à ce sujet. Et aussi, quelquefois, je voulais savoir si c'est une ligne consolidée, si on ne peut pas aller en arrière. Je pense que ce travail va avancer malgré tout et que c'est une nouvelle façon de faire, de voir les musées, mais qu'on ne peut pas arrêter tout cela. Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer. Martu, peut-être ? Sur la première question, les profils des publics sont différents. Ils parlent la langue des signes, mais leur niveau est très différent. Il y a des questions très approfondies, d'autres plus essentielles. On doit parler aussi, on doit s'adresser à un public d'enfants, de personnes âgées. Donc, il faut beaucoup d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses. Et l'autre, c'est que si le projet a de l'avenir, j'en suis sûre, ça c'est bien sûr, on doit aller de l'avant et on ne peut plus aller en arrière. Et la seule chose à faire, c'est de collaborer avec davantage de musées. Nous avons travaillé dans ces 5 projets. Je remercie toutes ces organisations. Par exemple, nous allons dans le musée de Badalona, pour les personnes sourdes et non-voyantes, ont des langues de signes, ils ont besoin d'un éclairage adéquat, et tout cela, on en a besoin. Et moi, je crois que ce projet va continuer, j'en suis sûre. Quels sont ces 5 musées, si tu peux nous l'expliquer, où on applique ce programme? Le musée de Sant Cugat. Non, le musée, oui, l'Alcuve, le musée d'Alcuve. Empúries, dans l'usine de farine d'Empúries. À Badalona. Et au musée de la Méditerranée. C'est là où on fait le signe. Merci beaucoup. Alors, pour le MNAC, pour la première question, il est difficile en ce moment de faire un exercice d'apprentissage, mais il est vrai que le long du développement de ce projet, on a appris bien des choses, surtout du point de vue de la sortie du musée, pour chercher à faire participer toutes ces communautés, d'élargir toutes ces ressources des départements du musée eux-mêmes. Ça a été un motif de participation, de collaboration très important, de découvrir que ce sujet en général est un sujet qui motive non seulement les personnes qui y participent directement, mais encore toutes ces participations qu'il peut y avoir à côté. On n'a jamais eu de non, par exemple. Personne ne nous a rien refusé. Donc, du point de vue de la qualité humaine, nous avons fait aussi un pas en avant. J'ai eu l'expérience personnellement de connaître des collectivités, par exemple, de personnes handicapées que je ne connaissais pas. Et nous avons découvert tout un aspect de travail qui nous permet de mettre en place de nouveaux outils. Et ça a été vraiment très, très intéressant. Et en ce qui concerne le musée, nous avons tout cela a été très bien accepté, très bien intégré. Et tout cela, nous pouvons le présenter avec l'offre quotidienne du musée. Et quant à la continuité,
ces ressources arrivent à la fin, mais comme a dit Sonia tout à l'heure, nous ferons tout ce qui sera entre nos mains pour chercher des ressources pour qu'on puisse continuer, parce que on ne peut pas s'arrêter là, bien sûr. Et Teresa, moi, je voulais ajouter quelque chose qui est en rapport avec notre position de l'autre côté. Quelquefois, je me pose cette question. Les persones que hi veiem, ce projet no? No, no al revés, sinó no, no és que aporten al projecte les persones que no s'hi veuen, sinó les persones que ens hi veiem, no? I sobretot en un museu d'art. I de manera ràpida, com quatre idees del que he pensat que aporta, que ens pot aportar, i és no? Que hi hagi aquesta presència d'un altre sentit que no és només el de la vista en un museu d'art. No? Quan un museu d'art és fonamentalment un museu destinat als que ens hi veiem. Ens aporta a temps per l'exploració pausada i detallada, no? De l'experiència artística. Ens aporta també, jo diria, temps per la contemplació. Ens aporta aproximar-nos a l'art des d'allò concret, no des d'allò general. No? L'audiodescripció, que està inclosa dintre d'aquestes taules, apel·la, també pot apel·lar a les emocions. Per tant, ens aporta també al museu aquest aquesta part que moltes vegades està obviada, no? A tenir una percepció més acurada de l'obra. Per tant, jo diria que en resum, el que ens aporta aquesta experiència des de la no visió als que hi veiem és fer el museu un museu multisensorial, aconseguir que i al final un museu multisensorial, no? Que interacciona amb allò que és visual, amb allò que és auditiu, amb allò que és espaial, és a dir, la nostra pròpia experiència des del cos, des de la sensorialitat, des de l'estètica, des d'allò social. Jo crec que tenia necessitat de dir-ho, no? Perquè és no parlar sempre des de la banda dels que no veiem, sinó dels que sí que ens hi veiem. De ceux qui ont l'handicap, mais aussi de l'autre côté. Inès? Oui, Inès. Alors j'ai l'impression que tout a été plus ou moins dit. Qu'est-ce que ça a pu nous apporter? Qu'est-ce qui a pu nous questionner? C'est toujours réapprendre à voir le musée, réapprendre à voir nos propres collections. Et penser différemment, que les choses ne vont pas de soi, penser d'une autre manière, que les choses ne sont pas obvious. Il faut repartir du début, repartir de la contemplation, dans notre cas, de l'œuvre, regarder et apprendre à regarder autrement, en touchant effectivement, apprendre qu'est-ce qui est possible ou pas, et se concentrer sur les éléments qui nous sont essentiels pour la perception de nos œuvres d'art et la perception du musée et de la culture de façon plus générale. Donc ça, c'est vraiment c'est un travail qui est constant et je pense qu'on n'a pas du tout fini d'apprendre. Je pense que c'est le cas aussi pour vous. On est toujours dans cette découverte et je pense qu'on va encore continuer à découvrir justement pour le futur. Per al futur. Per tant, el Museu d'Art Hyacinthe Rigaud encara està en fase de realització de tot això. No tenim encara l'experimentació final amb tots els públics, però aquest seria el nostre futur immediat. Però esperem que podem seguir desenvolupant tots aquests recorreguts tàctils i desenvolupar també els problemes de sordesa i anar més lluny i tenir una accessibilitat cada cop més àmplia. Sí. Nous avons appris beaucoup de choses à partir de vos projets, à partir du département
nous avons vu que ces visions, cette façon de repenser les choses, comme disait Inès tout à l'heure, sont possibles, qu'il est important de le faire, et qu'à partir de ces expériences, ce que nous avons appelé art visuel jusqu'à présent, nous allons les repenser ou les voir autrement, à partir des mains, des gestes ou à travers l'écoute. Je vous félicite et je demande un applaudissement pour tous ces projets. Donc, renem à l'ultime bloc. Moltes gràcies. Nous allons passer maintenant à notre dernière table. La Marta, Marta Antuñano, Silvia. Avec la participation de Marta Antuñano, Sonia, Anna Maria, Nathalie et Marie. Et moi, je vais être debout. Oui, parce qu'il n'y a plus de chaises. Molt bé, doncs. Molt bé, doncs anem a l'últim bloc. Allons passer donc à cette dernière table. C'est le bloc le plus transversal. Nous allons travailler ici donc toutes les questions de formation, stratégie, contrôle, politique. Ce troisième bloc a été celui plus directement lié au côté organisationnel. Et donc, ils ont travaillé aussi avec beaucoup de force. C'est pour cela que nous avons ici plusieurs représentantes. Marta Antuñano, qui est technicienne des programmes publics de l'Agence catalane du patrimoine culturel. Sonia Blaschko, chef de coordination des musées et protection des biens meubles du service de musée du département de la culture catalan. Anna Maria Paredes, technicienne d'Artis, qui travaille dans le service musée. Nathalie Clerc, directrice de politique culturelle, médiathèque et catalanité du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Et Marie Landel, directrice de patrimoine du département des Pyrénées-Orientales. Une représentation donc transversale du côté peut-être un petit peu plus administratif et des politiques que nous avons donc menées à bien. J'aimerais commencer par une question directe pour nos collègues du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, parce que nous l'avons déjà dit lors de la table précédente, nous avons beaucoup travaillé par rapport à l'implication. J'ai participé, par exemple, l'autre jour à votre journée, et non seulement dans la patrimoine culturel, mais aussi dans la construction de produits, la réhabilitation. Comment avez-vous pu travailler avec tant de groupes de personnes différentes? Comment avez-vous réussi à les impliquer dans les activités culturelles? Pourriez-vous peut-être nous donner quelques pistes à ce sujet? Nous sommes désolés, mais nous n'entendons pas. Oui, alors pour le département, en fait, pour le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, on avait déjà commencé à travailler sur quelques projets sur l'inclusion sociale, notamment dans les sites historiques et dans les services de la culture et de la médiathèque. Pour les sites historiques, on avait notamment déjà entamé une démarche sur ce qu'on appelle le label qualité tourisme handicap, pardon, avec le développement de certains outils qui ont déjà été évoqués, qui seront développés un peu plus en détail pour les publics en situation de handicap, notamment sur le handicap mental et auditif dans nos sites. Mais le projet Artis a été l'occasion de lancer des groupes de travail en fait avec différents types de publics, et notamment une exposition
qui a été créé avec l'Institut médico-éducatif de Bages. Donc c'est un institut qui accueille des jeunes, des adolescents et des jeunes en situation de déficience intellectuelle et qui leur propose un suivi éducatif et une formation professionnelle pour les insérer au mieux dans la vie professionnelle. Et donc le service des sites historiques et les médiateurs, enfin un des médiateurs en particulier du pôle des publics, a pu travailler donc avec ces jeunes que vous voyez à l'écran, qui ont découvert le milieu de l'art et notamment de la restauration du patrimoine, puisque nous avons des services spécifiques là-dessus, et ont créé une exposition eux-mêmes, sont allés à la découverte de ces métiers, des techniciens, des professionnels, des restaurateurs, mais aussi d'informaticiens ou de médiateurs du numérique, pour créer eux-mêmes leur exposition et se mettre en position de créateurs de contenu culturel. Donc la démarche a été vraiment intéressante de travailler avec ces jeunes. Et le projet Artiste a aussi été extrêmement intéressant pour nous, puisqu'il nous a permis, nous en interne au sein du département, de travailler en transversalité avec des collègues de notre direction des solidarités, notamment qui s'occupent de mettre en relation des usagers qui sont dans des situations de grande précarité ou de difficulté d'accès à la culture en particulier, pour les intégrer dans nos réflexions, dans nos groupes de travail, et pour que nous, on puisse avoir leur regard sur les outils qu'on propose et s'adapter à leurs attentes et à leurs besoins en termes de médiation de la culture. Donc le projet... Si me permets, ça m'a impressionné molt. La feina... Ce qui m'a beaucoup impressionné dans la réhabilitation du patrimoine, c'est ce que vous avez fait avec les adolescents vraiment d'une école. C'était quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Cette exposition qu'ils ont créée eux-mêmes, ces adolescents, c'était vraiment incroyable. Donc 12 panneaux d'exposition, qui est une expo itinérante bilingue, donc on peut prêter très volontiers d'ailleurs à qui le souhaite, et qui leur a permis de mettre en valeur leur travail et cette découverte-là. Donc c'était vraiment un projet très, très intéressant à ce niveau-là pour le département. Molt bé. Des de, Parfait. Et pour la Generalitat, pour le gouvernement catalan, je sais que vous avez beaucoup travaillé aussi par rapport à l'accessibilité cognitive. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu cette expérience? Pourriez-vous concrétiser un peu plus? Oui, c'est le micro qui marche, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Alors, oui, l'accessibilité sensorielle, c'est un domaine qui est très travaillé. Par contre, les problèmes cognitifs, pouvoir accéder aux personnes qui ont un handicap cognitif et que ces personnes puissent profiter de leurs droits comme le reste des citoyens, c'était toujours un domaine qui n'était pas suffisamment exploré. Même s'il y avait certaines expériences, ce n'était pas tout à fait un domaine développé. Il y avait aussi un certain manque de formation pour les professionnels eux-mêmes du secteur du patrimoine culturel. Et c'est pour cela que nous avons pensé à organiser cette journée. C'est une journée que nous avons organisée le 6 avril à Gérone. Nous voulions que cet espace devienne un espace de réflexion, d'échange des professionnels du patrimoine, les techniciens de musées, les médiateurs, les groupes qui travaillent aussi avec ces personnes. Et surtout, il s'agissait donc de créer cet espace pour pouvoir connaître et réfléchir par rapport à l'accès au patrimoine culturel pour les personnes qui souffrent d'une déficience cognitive. Et sans doute, le côté le plus intéressant de cette journée a été que, d'un côté, eh bien, nous avons écouté toute une série de conférences et d'études de cas, mais en plus, il y a eu 90 personnes qui ont participé à cette journée de Gérone, et cela a permis aussi de mettre en place des débats, des petits groupes de travail où les participants ont pu discuter au sujet des quatre grands thèmes de la journée. Le patrimoine culturel du point de vue de la création, comme on l'a déjà dit aussi ce matin, c'est-à-dire le droit à la création des personnes qui souffrent d'un handicap intellectuel. Un autre domaine était
l'accessibilité au monde du travail, comment les personnes qui ont un handicap cognitif peuvent s'incorporer et s'intégrer dans ce type de projet, et également le côté un petit peu plus communautaire, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la famille, à la communauté scolaire, etc. L'expérience a été vraiment très enrichissante parce que nous, comme agence qui gère les musées, les monuments, nous avons aussi des programmes un petit peu plus transversaux, parmi lesquels celui-ci, c'est-à-dire celui qui est centré sur l'accessibilité pour les personnes qui ont des problèmes cognitifs. Parfait, merci. Et pour pouvoir être à même de réaliser ces politiques de formation, pour pouvoir entreprendre ce changement de mentalité avec les travailleurs, avec les médiateurs, si j'ai bien compris, je crois que c'est un point sur lequel vous avez beaucoup collaboré, n'est-ce pas? Le conseil départemental des Pyrénées-Orientales et l'agence de la Generalitat catalane. Quels sont les efforts que vous avez dû faire en termes de formation pour œuvrer ce changement de mentalité et de vision? Nathalie, voulez-vous prendre la parole d'abord? Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous avons effectivement exploré le champ de la formation, puisque la médiation est un ingrédient indispensable à l'inclusion sociale. Donc là, le projet Artis a été pour nous vraiment l'occasion de faire travailler ensemble en fait, les travailleurs sociaux et les acteurs culturels. On avait, dans la collectivité, nous avons une grande habitude en matière de formation, puisque à travers le travail de la médiathèque départementale, nous organisons régulièrement, enfin chaque année, des stages à destination des professionnels pour leur permettre d'améliorer leurs connaissances professionnelles et d'étendre le champ de leurs compétences. Donc Artis, c'était incité à et nous a permis de l'inscrire vraiment dans la transversalité jusqu'alors, en fait. Donc, en fait, nous avons donc organisé des journées de formation à destination des travailleurs sociaux et des acteurs culturels. Trois journées qui ont permis, effectivement, de mieux se connaître, déjà, puisqu'on a constaté que les uns ne savaient pas toujours ce que les autres faisaient et inversement. Et donc, c'était vraiment l'occasion de travailler sur des projets communs, d'améliorer la connaissance des publics, hein, que nous, acteurs culturels, nous n'avions pas forcément, et surtout de construire une formation commune pour ensuite construire une offre adaptée au public éloigné de l'offre culturelle. Donc, ça a été une expérience très enrichissante que l'on a menée avec nos collègues catalans, et on en est très fiers. Et les retours sont extrêmement positifs, hein, puisque déjà un groupe de travail s'est construit, hein, pour travailler sur la suite, justement, pour construire une offre, des propositions communes en matière d'action culturelle en direction de ces publics éloignés de la culture. Donc, pour nous, j'ai envie de dire que tout commence maintenant. Grâce au projet Artis, en fait, qui nous a vraiment incité à travailler en transversalité avec les collègues du transfrontalier. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important, voilà, et d'enrichissant. Et la relation entre... La relation entre le monde de la culture, les artistes, les médiateurs culturels et le monde du travail social, deux mondes qui ne sont pas toujours allés de pair. Comment se sont passées ces relations? Puisque chacun des acteurs était demandeur, en fait. Uh-huh. Les acteurs culturels avaient vraiment envie de connaître, d'investir le champ du social et inversement. Puisqu'il n'y a qu'en ayant une bonne connaissance mutuelle que l'on peut justement apporter encore une fois une offre adaptée, puisque nous, acteurs culturels, bon, même si notre préoccupation est de toujours aller au-delà des publics avec moult propositions diverses et variées, certains publics nous échappent malgré tout. Donc il était vraiment important d'aller un peu plus loin, de travailler vraiment plus en collaboration, de façon beaucoup plus resserrée avec nos collègues du social. Voilà, donc les retours sont vraiment extrêmement positifs de par le partage d'expériences,
la meilleure connaissance que nous avons les uns des autres, et puis surtout la grande envie qui a fait naître ce projet artiste de continuer et d'aller encore beaucoup plus loin sur la construction de l'offre. Molt bé. I des del punt de vista d'aquí... Du point de vue catalan, en ce qui concerne la formation, la mise en place de ces médiations, souhaitez-vous ajouter quelque chose, Sonia, Anna, toutes les deux peut-être? Oui, ça va, vous m'entendez? Oui, donc c'est moi qui commence, mais après je passerai la parole à Anna parce que c'est la technicienne du projet Artis et rien n'aurait été possible sans elle. Oui, et c'est pour ça que nous avons aussi une question très concrète pour Anna. Anna, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas échapper à nos questions. Bien, pour nous, participer à ce projet a été vraiment une expérience très intéressante. Je dois dire que nous travaillons pour le service des musées. Et ce que nous faisons dans ce sens, c'est contribuer à ce que les musées puissent bien travailler sur leur offre. Nous sommes le back-office et les musées sont vraiment le porte-drapeau de l'offre culturelle. Nous étions déjà là, en fait, même avant d'avoir Artis. En fait, nous avions déjà préparé un plan d'accessibilité. Il y a un groupe centré sur les musées et l'accessibilité qui travaille par rapport à toutes ces actions. C'est pour cela que je veux souligner le fait que le souci existait déjà. Le problème est que nous manquions de ressources, ressources économiques, ressources humaines et peut-être aussi une certaine force pour pouvoir mener à bien toutes nos actions. Et le projet Artis nous a donné tout cela. Je ne sais pas si c'était la question, mais bon, c'est ce que je voulais raconter. Et cela donc nous a donné la possibilité, le projet Artis nous a donné l'élan nécessaire. Moi aussi, j'aimerais dire que ceci ne vient que de commencer, que ce n'est que le début. Parce que parfois, le début, c'est la partie la plus compliquée. Lorsque l'on commence à travailler avec des groupes, comme par exemple Martou, et j'aimerais la remercier, commencer donc à travailler avec ces groupes, au début, on a l'impression que ça va être super compliqué, mais lorsque on les connaît, lorsqu'on se rend compte qu'ils ont peut-être les mêmes intérêts que nous, on peut commencer à tout aligner et à travailler ensemble. Merci, merci beaucoup. Maintenant, Anna. Oui, moi je suis totalement d'accord, je partage l'opinion de Sonia et c'est aussi ce que disaient mes collègues françaises. La formation est indispensable parce que la formation c'est un premier pas vers la sensibilisation. C'est une façon d'ouvrir les portes à la diversité, aux besoins spécifiques, aux difficultés. Et après, c'est quand on se met en contact avec les différents groupes, les différents publics. Parce que c'est eux qui vont nous expliquer de première main quels sont leurs besoins. Mais souvent, le problème est de savoir quelles sont les portes auxquelles il faut frapper. Je dirais donc que la formation est indispensable et après, évidemment, la coopération. Parfait. Et lorsque l'on est dans les institutions, souvent, la planification stratégique, l'évaluation sont des sujets vraiment très importants. Quel est votre avis? Quelle est votre opinion? Je veux dire, du point de vue du patrimoine, du point de vue du conseil départemental, en ce qui concerne les résultats, offrir des résultats, n'est-ce pas? Offrir un retour social. Comment pensez-vous à tous ces points-là? Qui veut commencer? Peut-être Sonia et après je vous passe la parole. Bien. Pour nous, une chose très importante, c'est toujours l'évaluation. Il faut toujours faire un diagnostic. Et pour pouvoir faire le diagnostic, il faut connaître l'état des lieux. En ce qui concerne l'accessibilité, nous avons un outil qui s'appelle Musa. C'est un outil qui a commencé à Gironde, dans les musées de Gironde, qui évalue, qui passe en révision l'état dans lequel se trouvent les différents équipements culturels. C'est quelque chose que nous avions déjà fait avant Artis, mais avec Artis, nous avons pu terminer l'évaluation de tous les musées catalans. Après, nous sommes passés au Centre d'art visuel. Et je pense que ceci a été fondamental parce que cette évaluation te permet de diagnostiquer ce qui manque. Et grâce à cette évaluation, tu peux te rendre compte de ce qui est vraiment important. D'un autre côté, cela t'aide aussi au moment de la planification parce qu'il faut vraiment savoir ce qui manque pour pouvoir gérer.
Oui, si vous voulez rajouter quelque chose. Dans le département, on avait, je l'évoquais tout à l'heure, une démarche qui avait déjà été engagée sur les publics éloignés de la culture avec donc cette démarche tourisme et handicap pour l'accessibilité qu'on avait déjà entamée pour le Palais des Rois de Majorque avec un label obtenu en 2019. Pour le Château Royal de Collioure, on est dans la démarche, on vient d'obtenir le label et on le fait pour chacun de nos sites petit à petit. Donc ce cadre-là, ce cadre national nous permet aussi d'avoir une vision sur les mesures à mettre en place, le chemin qu'il nous reste à parcourir pour toucher l'ensemble des publics, puisqu'aujourd'hui, on ne touche avec ce label-là que deux types de handicap. Et il nous reste donc le handicap mental et auditif. Et donc, on n'a pas encore tous les outils pour aller vers le handicap moteur et le handicap visuel, par exemple. C'est des choses vers lesquelles on se tourne. Et le projet Artiste nous permet d'avoir une vision globale. Et je reviens sur l'importance des formations qui a été évoquée par l'ensemble des personnes présentes, notamment sur la formation sur l'accessibilité cognitive. Pour nous, c'était extrêmement intéressant parce que ça nous permet d'avoir une vision globale, en fait, de ces problèmes d'accessibilité pour tous les publics, pas seulement les publics qui ont une déficience particulière, mais y compris des publics que nous on appelle les publics du social, éloignés de la culture, qui ont des difficultés autres, et d'englober à travers ces outils l'ensemble de ces publics et de faire des démarches beaucoup plus volontaristes, plus globales. Et le fait de travailler en transversalité et de manière transfrontalière, pour nous, c'est aussi très intéressant, puisqu'on connaît mieux les publics grâce à nos partenaires catalans. On a beaucoup de publics catalans qui fréquentent nos sites sans forcément avoir les prix. Sur leurs attentes ou leurs prérequis culturels. Donc ces échanges, au-delà de l'accessibilité liée à une déficience, va au-delà et englobe l'ensemble de nos visiteurs. Donc pour nous, c'est une démarche très intéressante et qu'il faut continuer, qu'on va essayer molt bé, molt de bé, continuer. Doncs, la última pregunta anava... C'est parfait. Ma dernière question allait un petit peu dans ce sens. C'est pour ça que vous pouvez peut-être garder le micro et on va faire un dernier tour avec cette question précisément. Vraiment, vous pensez que l'expérience a été positive? Vous pensez que le fait de travailler en transfrontalier au sein d'un projet européen, est-ce que vous pensez que cela a été utile, que cela vous a donc peut-être aidé? Et j'aimerais aussi vous poser une autre question. Y aura-t-il un artiste 2? Qu'en pensez-vous? Alors, sur la première partie de la question, sur l'intérêt et la richesse des échanges, oui, bien sûr, c'est un projet qui a été extrêmement intéressant parce que ça nous a permis de mieux nous connaître. On est voisins avec nos partenaires catalans, mais jusqu'à présent, on n'avait pas forcément d'échanges construits ni réguliers. Et là, désormais, les liens sont créés, les différentes formations, les différentes journées comme celle-ci qui ont pu avoir lieu nous ont permis de mettre des visages sur des noms, de mieux connaître les institutions, l'organisation aussi qui est très différente d'un côté et de l'autre de la frontière et qu'on avait parfois un peu de mal à appréhender, de mettre en commun nos outils et d'avoir des évaluations communes. Donc, toutes ces choses-là ont été extrêmement intéressantes et vraiment bénéfiques pour nous. Et de pouvoir continuer aussi sur les questions de formation, ce serait vraiment très intéressant avec tous les acteurs de la culture, du patrimoine, du social, vraiment l'ensemble des partenaires. Et pour la question du Artiste 2, eh bien, pourquoi pas on peut bien entendu y réfléchir. Ça serait intéressant en tout cas de continuer et de poursuivre la dynamique qui a été lancée et qu'il serait dommage de laisser retomber. Muchas gracias. Moi, rien de plus. Hein. Je pense que Marie a tout dit, oui, effectivement, des retours extrêmement positifs avec une meilleure connaissance de différents acteurs, des échanges très riches, des échanges de bonnes pratiques qui sont très inspirants aussi. Enfin, vraiment, on est tous très satisfaits de ce projet. Et puis surtout, moi, ce que je retiens, c'est mieux se connaître pour faire ensemble, mieux se connaître aujourd'hui pour faire ensemble demain. Donc voilà, je crois qu'il faut, je ne vais pas redire ce qu'a très bien dit Marie, mais c'est ça, quoi. Donc vraiment, tout commence. Ouais. Et en mettant un accent, effectivement, sur la formation, parce que je crois que c'est essentiel. Et puis surtout, aller chercher tous ces publics que l'on ignore. Hein, parce que moi, j'ai envie de dire, tous ceux qui viennent, ils ne nous intéressent pas trop. Hein, c'est ceux qui ne viennent pas qu'il faut aller chercher, qui nous intéressent. Donc voilà, donc des acteurs culturels tout seuls n'y arriveront pas, ou
nous faut unir nos forces, donc unir nos thématiques, le social plus la culture, égale inclusion totale, j'ai envie de dire. Voilà. Molvé. Anna, venga. Anna. Moi non plus, je n'ai plus rien à dire parce que la table avance et pratiquement tout a été dit. Moi, j'aimerais remercier Artis. Je suis technicienne, c'est grâce à Artis que j'ai pu rentrer dans ce domaine des musées. J'ai pu découvrir ses équipes, le service musée, le département, etc. Je pense que tout a été super gratifiant et sans cette opportunité fournie par Artis, jamais je n'aurais pu connaître tout cela. J'aimerais aussi remercier Sonia qui m'a fait confiance. Et c'est un peu ce que disaient mes collègues françaises, parce que maintenant, on a tout juste commencé à se connaître en présentiel, parce que jusqu'à maintenant, c'était constamment des réunions sur visioconférence, sur Zoom, mais on a vraiment fait beaucoup d'efforts. Et en parlant avec les collègues qui ont d'autres expériences, parfois on découvre des pistes et on se rend compte que cet apprentissage vraiment transfrontalier est indispensable pour ne pas faire des efforts en vain, des efforts inutiles. Et par rapport à Artis, oui, s'il vous plaît, je veux Artis 2. Non seulement parce que sinon je vais perdre mon boulot, mais parce que s'il y a un Artis 2 et je peux revenir, je serai vraiment très reconnaissante. Et c'est ce que vous avez dit, ceci ne va pas s'arrêter. Je pense que la démarche est déjà là et c'est un peu ce que disait aussi Sonia. Une fois les ressources économiques sont là, on devient beaucoup plus courageux et on ose faire tant de choses. Artis, donc, représente un soutien économique, mais aussi un soutien communautaire. Le soutien économique est indispensable parce que sinon, les musées, qui sont toujours constitués par des équipes petites qui travaillent souvent au-delà de leurs forces, sans ressources, parfois, ils n'osent pas faire certaines choses. Donc, oui, j'espère qu'il y aura un Artis 2, sans doute. Je ne sais pas quoi d'autre dire. Si le projet a été utile, oui, très utile, malgré la pandémie qui nous a empêchés de nous rencontrer. Mais c'est vrai que lorsqu'on a fait des réunions en ligne ou par exemple à Gironde le 6 avril, qui a été vraiment très inspiratrice, écouter les autres, voir ce que les autres font, tout ceci t'aide à apprendre et à te sentir encouragé. Savoir que tu fais partie d'une équipe, demander de l'aide, demander peut-être le soutien des autres, savoir que nous allons tous, en fin de compte, dans la même direction, je pense que tout cela aide beaucoup, à part tout ce que vous avez dit, évidemment, que je soutiens. S'il peut y avoir un Artis 2, sans doute, nous monterons à ce train, nous serons dans le bateau, parce que... vraiment, non seulement parce que c'est positif pour nous, mais surtout parce que cela a eu des retombées très positives pour les équipements. Et c'est pour cela que, vraiment, nous voulons continuer. C'est un peu aussi ce que je disais avant par rapport à l'évaluation. Lorsqu'on fait une évaluation, on se rend compte de tout ce qu'il faut faire. Et après, on passe à la deuxième question. Et maintenant, comment vais-je faire? Que dois-je faire? Moi, je pense que s'il y aura un Artis 2, et si nous sommes tous là, je pense que ça pourrait être formidable. Merci, Martha. Bien. Quant à la première partie de la question, l'expérience et ce travail transfrontalier pour nous, à notre avis, a été aussi très positif, très enrichissant. Une des premières actions que nous avons menées à bien a été une étude comparative de la législation, des lois par rapport au patrimoine culturel en Catalogne et en France. Nous avons donc analysé toutes les lois concernant le patrimoine culturel. Nous avons signalé les manques qu'il y avait, peut-être d'un côté et de l'autre, et cela nous a aidés à réaliser des actions concrètes. Pourquoi? Eh bien, parce que nous nous sommes rendus compte qu'en France, cela faisait déjà longtemps que l'accessibilité était envisagée dans la loi. Et en fait, si nous n'avions pas eu cette opportunité, c'est peut-être quelque chose que nous n'aurions pas fait ici. Donc, cet échange transfrontalier nous a donné des connaissances, nous a fourni des ressources pour que la communauté des personnes malentendantes puisse avoir cette première porte d'entrée, c'est-à-dire ce premier accueil dans les musées. Et
D'un autre côté aussi, cet échange en termes de formation, de connaissances, c'est des choses qui nous ont vraiment beaucoup enrichis. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, Artis 2, oui, nous aussi, allons-y, parce que nous avons déjà en fait créé une action basée sur l'accessibilité. C'est quelque chose que nous avons déjà en place et si nous avons les ressources, je pense que ce sera génial. Merci, merci beaucoup. Je garde donc plusieurs mots que vous avez répétés aujourd'hui. Début, ce n'est que le début, il y a beaucoup de travail à faire. Et merci, merci beaucoup. Félicitations pour le travail accompli. Merci d'avoir vraiment surmonté tous ces obstacles, toutes ces difficultés. Un applaudissement vraiment fort pour cette équipe. Merci. Muchas gracias. Ahora, et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de nos débats où nous allons écouter les témoignages de projets qui n'ont pas fait partie d'Artis, mais qui sont de bonnes pratiques et qui peut-être pourraient faire partie d'un Artis 2 à l'avenir ou d'un nouveau programme. Molt bé. Ara sí, perfecte. Molt bé, doncs, primer de... Donc, tout d'abord, merci beaucoup. Je voudrais remercier le département de la culture de nous avoir invités à cette table pour parler de projets d'inclusion sociale de différents groupes, de jeunes, de femmes privées de liberté, et tout cela à partir de la culture, de projets culturels. Et je voudrais utiliser ce cadre. Je suis professeure, chercheuse en politique culturelle. Et donc, mis à part cette valeur intrinsèque, cette valeur liée à l'allié de l'essai, c'est quelque chose qui amène un impact pour la société, ce qui génère des bénéfices individuels, monétaires et sociaux. Et en ce sens, des organismes internationaux comme l'UNESCO, mais encore l'Union européenne et la communauté européenne, ont compris l'aspect transversal de la culture et nous parlent de la culture comme une réponse non conventionnelle à des besoins de la société. Et c'est à partir de là qu'on parle de projets d'innovation sociale. Dans cette séance, on voudrait justement parler de ces objectifs stratégiques au niveau national, régional et local qui passaient de cela à la réalité pour voir comment est-ce que cela se transforme en projets palpables qui sont pour la société. Nous avons donc repéré deux projets en Occitanie, deux en Catalogne. Et parce que nous avons avancé un peu cette séance, nous avons décidé de faire une séance peut-être un peu plus participative. Et il s'agit d'ouvrir à la participation d'un public. Je vais vous présenter les personnes invitées qui vous expliqueront les projets. Et après, si vous le voulez bien, nous allons ouvrir un tour de parole pour faire cette séance un peu plus participative. Donc, je vous présente
D'une part, nous avons Madame Marion Guilmot, qui est la responsable des stratégies numériques et développement des publics du CRAC Occitanie, le centre régional d'art contemporain d'Occitanie à Sète, qui va nous présenter le projet Signadance. D'autre part, nous avons M. Cédric Sarahi, référent d'accessibilité multimédia au service des monuments historiques du département des Pyrénées-Orientales, qui va nous présenter le projet Patrimoine en images. Ensuite, nous avons Sampera Bourre, Cristina Sampera, directrice de la Fondation SEDBA, qui va nous présenter le projet Transpassant l'objectif. Et ensuite, Jana Munlio, qui est qui a fondé la SELBA, coordinatrice du projet Oragai, qui fait de la production cinématographique avec, pour faire des films d'auteurs avec de nouvelles visions. Merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation qui va nous présenter le premier projet. Je suis ravie de représenter le Centre régional d'art contemporain Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, voilà, le CRAC Occitanie, on l'appelle. Et je vais vous présenter rapidement le centre d'art. Alors normalement, il y a une petite vidéo que j'ai apportée, qui est une vidéo qu'on a produite pour présenter nos activités. Voilà. Et aussi que vous voyez un petit peu ce centre d'art qui se situe à Sète, donc ville au bord de la Méditerranée, et à ce titre ouverte sur toutes les rives de la Méditerranée. Et aussi, le centre d'art est ouvert sur la création très largement européenne. Donc on est ravis de, voilà, de cette invitation. Alors, le centre d'art existe depuis 1997. Il est le fruit d'une volonté, je dirais, d'un territoire culturel et artistique extrêmement dynamique. Donc il y a plein d'artistes à Sète, en fait. Et donc le CRAC, le Centre d'art contemporain, est né de ce bouillonnement artistique. Vous verrez que ce bouillonnement artistique, ben, il s'injecte dans toutes nos actions, que ce soit des actions de conquête de public éloigné ou d'accessibilité. C'est un peu au ralenti, non? Ah non, ça va. Le centre d'art a deux missions principales, celui de produire des œuvres d'art et donc de soutenir des artistes, d'organiser à ce titre-là des expositions. Et puis également la mission de mettre en relation ces artistes et ces expositions avec toutes et tous. Voilà. Et donc je vais vous présenter le projet Signadance, qui est un projet porté par une compagnie de danse qui s'appelle la compagnie Singulier Pluriel, qui est la compagnie de Jos Pujol, une chorégraphe. Et ce projet Signadance a lieu depuis 2013 au CRAC, très régulièrement, en fait. Au sein des expositions, la compagnie Singulier Pluriel va proposer... alors là, on voit un petit peu différentes actions, hein, mais vous verrez qu'on voit la compagnie... Voilà, là, c'est une poétesse des signes qui va proposer... dans le cadre de la performance Signadance, au sein de l'exposition de Jimmy Robert, qui est une exposition qui a eu lieu fin 2021-2022, vous en avez vu quelques images là, en fait, des poèmes de signes qui sont adressés à toutes et tous. Donc, on est vraiment sur une action qui est complètement décloisonnée au niveau des publics. On ne s'adresse pas seulement au public sourd, on s'adresse à tous, avec, quand on communique autour de ces actions, la mention qu'il y a une accessibilité et, je dirais, la spécificité de la langue des signes. C'est très important pour nous, parce que je me rapproche un petit peu de ma collègue, parce que on est toujours... En fait, je me rends compte depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un peu une séparation. Et finalement, le projet Signadance, c'est aussi un projet qui rapproche les langues et les langages.
Donc voilà, je... alors attendez, peut-être avant d'envoyer cette vidéo-là, on peut faire une pause sur l'image, juste que j'adapte mon propos. Est-ce qu'on peut faire une pause sur cette vidéo-là et puis la faire redémarrer juste après? Voilà. Donc, pardon, j'ai un propos un peu décousu, merci. Juste pour vous présenter un peu les différents aspects. Il y a toujours une forme de séparation. Et ce qui est intéressant dans le projet Signadan, c'est qu'en fait, on se rapproche, sourds et entendants, les uns des autres, dans une compréhension, je dirais, commune de quelque chose qui est au-delà de la langue, grâce au langage chorégraphique et à une dimension artistique. Ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment particulièrement intéressés dans la création de Jos Pujol. Et donc, dans la compagnie singulier pluriel, il y a des poètes et poétesses des signes, des danseurs plutôt de danse contemporaine, mais aussi des acrobates plutôt du monde du burlesque. Et tout ça est accueilli dans un centre d'art. La qualité particulière du travail de Jos Pujol, c'est de venir travailler un parcours de performance dans différentes expositions d'art contemporain. Et ça nous permet d'envoyer un autre message à nos publics, qui est un message d'accessibilité très large, d'accessibilité universelle des expositions et de l'art contemporain par le biais du sensible, mais ça on en a parlé plein de fois déjà, et par le biais de l'expérience, d'une expérience qui se constitue autour donc aussi de la question du langage. Il faut savoir que l'oralité, la question de la langue et de la diversité des langues est un des grands objectifs qui nous est donné par la région Occitanie, dont on est un service, hein, le CRAC est un service de la région Occitanie. Et donc, voilà, on a le sentiment que ce projet, il est vraiment très représentatif de cette dimension de travail de la langue et de la question de la diversité qui nous importe énormément. Et c'est vrai qu'on l'a évoqué. Moi, je le ressens au jour d'aujourd'hui en tant que professionnelle comme une urgence absolue pour le fait de diversifier nos publics et puis de venir travailler un peu de manière différente. Pardon, j'ai dépassé les 5 minutes. Peut-être, cette petite vidéo, on peut la redémarrer du début. Je vais la commenter. En fait, ce projet Signadan, c'est des projets de performance dans les expositions que donc la compagnie Singulier Pluriel conçoit. Mais c'est aussi des projets, en fait, où le public peut participer parce que Jos Pujol mène des ateliers. Donc là, vous avez 3 personnes qui font partie de notre public, enfin, qu'on ne connaît pas particulièrement, mais qui se sont inscrits à un atelier Signadanse. Et alors, ce sont des personnes entendantes, mais il y a aussi des sourds qui participent à ces ateliers. Et je trouve très impressionnant, hein, le travail chorégraphique qu'ils ont produit, sachant que ces ateliers durent 2 après-midi, qui ne sont pas du tout danseurs. Ces personnes ne sont pas du tout des danseurs. Mais en tout cas, ils nous racontent par leurs gestes et leur implication peut-être quelque chose du pouvoir de la poésie à partir du moment où on la met en action. J'ai dû oublier de dire plein de choses, mais j'avais que 5 minutes et je pense que je les ai dépassées. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à excuser l'absence d'Yvelise Salcedo, qui est présidente de l'association La Vue au bout des doigts, qui n'a pas pu venir pour des problèmes de santé, mais qui nous regarde sûrement sur YouTube et que je salue. Alors, il y a aussi une présentation. En tout cas, le projet qui a débuté il y a plus de 10 ans, il repose, on en a parlé tout à l'heure, sur la sensibilisation et la formation des agents au handicap, et sur la réalisation de 4 outils de médiation. En premier lieu,
un outil de médiation qui s'appelle le carnet Le patrimoine au bout des doigts, qui a justement été réalisé par l'association La vue au bout des doigts. Donc ce sont des carnets avec du braille, des textes en gros caractères et des planches. Et puis trois autres outils qui sont des carnets, des outils adaptés. Je ne sais pas si on peut lancer la présentation. Donc il y a d'une part, on en a parlé ce matin, le facile à lire et à comprendre. Donc vous pouvez voir par exemple sur la diapositive en haut à gauche. Donc qui ont été réalisés, donc d'une part les carnets les faciles à lire et les carnets le patrimoine en images. On va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc les carnets en braille et gros caractères. L'autre diapositive. Voilà, donc des carnets adaptés qui ont été réalisés avec le service éducatif des monuments historiques et surtout des associations locales représentatives du monde du handicap. Pour le facile à lire, dans la démarche FALC dont on a parlé, qui est à l'origine un mouvement né des normes européennes du facile à lire et à comprendre, les premières éditions ont été faites il y a 10 ans avec l'UNAPI, qui est l'association de référence qui représente les personnes en situation de handicap mental et leurs familles. Et d'autre part, les carnets, les patrimoines en images qui ont été réalisés avec l'Association pour l'intégration des déficients auditifs des Pyrénées-Orientales. Ce qui est intéressant sur ces deux outils et celui que je vais vous présenter par la suite, c'est qu'en fait, nous sommes partis d'outils réalisés par et pour les personnes en situation de handicap et nous les avons adaptés au grand public. Et c'est ce qui nous permet également que maintenant, ce soit des outils qui soient largement utilisés, notamment par tous ceux qui sont en apprentissage du français, mais également du catalan, puisqu'il y a aussi des écoles immersives en catalan dans les Pyrénées-Orientales, et qui permettent de découvrir le patrimoine à travers des images et à travers des textes simples. On peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Toujours sur l'image, en 2012, on a commencé une expérimentation en partenariat avec une école d'ingénieurs de programmation de Perpignan qui nous accompagne depuis 10 ans. Il y a eu 9 phases de programmation avec 29 étudiants qui réalisent et font évoluer un logiciel qui est la propriété du département et qui nous permet d'équiper des tables tactiles avec, à l'heure d'aujourd'hui, 9 applications, notamment des applications comme les visites virtuelles qui nous permettent à la fois pour les personnes à mobilité réduite, mais l'ensemble du public, de découvrir l'intégralité du lieu et surtout son évolution. Des expositions virtuelles, des jeux comme des puzzles, des mémories. Et ce qui est intéressant, là aussi, on parlait d'inclusion, c'est qu'avec ces tables, tout le monde est inclus dans la démarche. Donc, elles sont évidemment accessibles aux personnes en fauteuil. Pour les enfants, il suffit d'un petit marchepied. Et puis, quel que soit l'âge, et si on découvre en famille, on peut effectivement participer à ces outils, à cette découverte. Prochaine diapositive. Là, je vais insister sur un élément dont on a parlé aussi tout à l'heure, c'est l'évolution du projet, l'évaluation. Ce qui est intéressant aussi, en ayant travaillé directement avec des associations représentatives du monde du handicap sur le handicap mental, auditif, visuel et moteur, c'est qu'effectivement, on va travailler en synergie, adapter des outils et les rendre accessibles à tous. Et quand on dit à tous, c'est effectivement aussi aux personnes âgées. Dans notre département, il y a plus de 30% de la population qui va avoir plus de 65 ans. Également les jeunes enfants et les publics éloignés de la culture. Donc, à l'heure actuelle, nous avons démarré les premières éditions des carnets faciles à lire en 2013. Nous sommes en train de réaliser de nouveau, notamment pour de nouveaux monuments, comme le château de Castelnau. Et puis, nous avons actuellement une flotte de 12 tables tactiles, dont 2 qui ont été financées grâce au projet Poctefartis et qui accompagnent l'exposition réalisée par les jeunes de l'Institut médico-éducatif de Bompas. Et je terminerai avec les prochaines diapos. L'objectif dont parlait tout à l'heure Marie Landel, la directrice du patrimoine,
effectivement, c'est de créer cette synergie pour obtenir cette fameuse marque d'État tourisme et handicap qui est renouvelable tous les 5 ans, ce qui nous engage aussi à renouveler notre pratique, continuer les formations, les sensibilisations avec nos partenaires associatifs et également travailler en partenariat avec les sites culturels du département. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, il y a 20 sites culturels, monuments historiques, musées qui sont entrés dans cette démarche et qui ont obtenu cette marque d'État tourisme handicap. Sur les monuments historiques, effectivement, nous avons des contraintes importantes en termes de travaux, de restauration. Nous sommes beaucoup sur le mental et auditif, mais ce qui n'empêche pas d'avoir des outils de médiation, notamment pour les personnes mal et non-voyantes, et essayer de trouver des solutions pragmatiques avec le monde associatif, comme l'Association nationale, l'Association des paralysés de France. Dernière diapositive. On en a parlé beaucoup, la formation et la sensibilisation, et également l'accueil, les notions d'accueil. Et là, pour tous les agents, c'est-à-dire pour les médiateurs, mais également pour les agents d'accueil, les agents de surveillance. Et un élément aussi important, ces formations, de les faire avec des associations locales, ce qui permet de créer du lien, de créer des synergies et de créer du projet. Et sur les moments d'accueil, l'accueil commence aussi sur Internet. Il est important aussi d'avoir l'information, comment venir en train, comment venir en voiture, je suis en personne à mobilité réduite, où se trouve une place réservée aux personnes à mobilité réduite. Voilà, c'est tous les éléments qu'il faut prendre en compte. Et je pense que j'ai fini là où il doit y avoir une dernière diapositive. Une dernière diapositive, oui. Effectivement, j'oubliais. On a eu la chance en 2014 que ce projet-là soit retenu pour apparaître dans le florilège des belles pratiques et des bons usages en matière de l'accessibilité. C'est un document qui est réalisé tous les 2 ans par 2 ministères et qui met en avant des projets d'accessibilité. Et si nous avons été retenus, c'est avant tout parce que ces projets ont été réalisés avec des associations, qu'il y a le volet formation qui ont été mis en place. Et c'est vrai que le fait d'être devenu un modèle et d'avoir commencé très tôt, il y a 10 ans, sur les faciles à lire et à comprendre, nous a permis d'échanger. Et c'est vrai que le projet Poctef Artis, j'espère qu'il y aura un projet Poctef Artis 2, nous permet aussi d'échanger avec d'autres territoires et d'autres pratiques. Merci beaucoup. Hola. Bueno, hay una presentación que... Bonjour, il y a une présentation. Je demandais la présentation en PowerPoint pour que je puisse expliquer le projet, qui est un projet de photographie participative pour des femmes dans des centres, des établissements pénitentiaires. En Catalogne, les femmes ne représentent que 7% de la population pénitentiaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'elles ont moins d'installations et moins de ressources que les hommes. Un grand nombre de projets culturels, moins de projets arrivent dans les prisons pour femmes. Dans ce 7%, 85% subissent de la violence machiste. Et nous, depuis 2020, nous avons mené à bien ce projet dans différents établissements pénitentiaires, en Catalogne 9, à Guadras, à Cambrians. Diapositive suivante.
Qu'est-ce que ce projet? Ce projet consiste en un atelier photo qui a pour but de donner du pouvoir à ces femmes à travers l'image, mais à travers les connaissances. Nous avons fait 5 éditions, donc nous avons eu 100 femmes qui ont participé pendant ces 2 années. Qu'est-ce qu'on cherchait avec ce projet? On cherchait à trouver la beauté dans le lieu le plus insoupçonné. Souvent, les projets pour des prisons. La prison n'est pas un lieu agréable, mais ce que cherche notre projet, c'est de trouver cette lumière pour que ces femmes, à travers la photo, puissent développer leurs capacités. Ici, nous voyons les données techniques. Nous le faisons avec une photographe professionnelle, Marta Fabregas. Nous travaillons toujours avec des artistes professionnels. En ce moment, Marta a une exposition à Pigmen Gallery. Ses œuvres sont exposées un peu partout dans le monde, mais en même temps, elle est photographe, elle est féministe et elle est activiste aussi. Et c'est là que je revendique la responsabilité sociale du secteur de l'art. Parce que quelquefois, on a une idée de l'art d'une certaine frivolité ou qu'il ne s'implique pas dans la société. Et nous cherchons des gens qui s'impliquent, comme c'est le cas de Marta ou de Sandra Balcells, une journaliste hyper reconnue. Et nous avons dans ce cas 2 photographies avec Camila, qui est une des participantes, et Sandra Balcells avec Sofia, qui est à Brians. Les résultats de ce projet, nous avons un photolivre que nous venons de publier. Il s'agit d'essayer de trouver des ressources propres parce qu'il est difficile de trouver du financement pour ce genre de projet. Et donc, à travers la vente du livre, nous allons essayer d'amener ce projet à plus de femmes. Les résultats qualitatifs, le sentiment d'appartenance, l'amélioration de l'estime de soi à travers les femmes. Ils ont des miroirs dans les cellules. Pour des questions de sécurité, ce sont des miroirs en plastique. Et l'image qu'elle donne de ces femmes, c'est une image distorsionnée. Une des participantes nous disait « Essayez de vous maquiller dans ce miroir. » Absolument impossible. Donc, nous avons mis ici, à la fin du livre, un de ces miroirs. C'est un symbole. Et donc, que fait ce projet photo? Il récupère cette image perdue pour les femmes. Les premiers jours, les femmes viennent à l'atelier. Elles viennent pas très sans maquillage. Le dernier jour, elles viennent maquillées comme des voitures volées. C'est leur image qui compte, l'embellissement. Ici, nous voyons un peu les objectifs. L'objectif, c'est générer des opportunités de travail à partir de la photographie. 2 des participantes sont co-auteurs de ce livre. L'une d'elles va faire partie d'un festival de photos du festival Lumini à Saint-Cugat. Pourquoi pas? Ça peut être aussi une issue. Et dans les pratiques institutionnelles, quand vous avez parlé de toi, Jordi, qui avait parlé de droits culturels, il y a des droits culturels dans les établissements pénitentiaires. Et la culture doit aussi obtenir des bénéfices pénitentiaires. Parce que quand on travaille dans les prisons,
on a davantage de possibilités de faire des sorties. Mais si on participe dans des projets culturels, ce n'est pas un bénéfice. Et quand j'ai dit qu'on doit parler de ces plotiques. Diapositive suivante. Ici, nous avons des images des participantes. Une image de Marta Fabregas qui fait leur portrait en tant que muse inspiratrice. Et maintenant, vous voyez de l'atelier. C'est une succession de photos avec ces regards de ces muses qui nous inspirent parce que ce que nous cherchons, c'est cette lumière qu'elles ont toutes elles et que quelquefois la prison n'arrive pas. À Watras et à Brianz, elles ont tout en commun d'avoir été victimes de violences machistes. Ici, nous voyons une des issues de ce projet, Camila, nous voyons à la fin. Elle a fait partie d'un jury pour un prix qui s'appelle Lecture et prison, promu par le département de justice et par les services pénitentiaires. Et nous avons été avec la conseillère de justice et Camila, qui lui aurait dit il y a 3 ans, lorsqu'elle était enfermée à Brianz, qu'elle aurait fait partie d'un jury avec Tanit Plana, par exemple, une photographe très reconnue. Tout cela, donc, génère des possibilités. Et la suivante, Sofia qui est toujours à Brianz, mais nous avons fait rentrer nos caméras et Sandra Valcels a été aussi son mentor à Brianz. Sofia a pris en photo les différents métiers qu'on peut exercer dans la prison et font partie du reportage de ce photolivre. Voilà, donc on veut continuer à mener le projet de l'avant dans d'autres unités pour avec des kits de formation et pour continuer à donner de la visibilité à ce projet à partir de différents livres. Ici, nous parlons du financement. Comme nous avons eu du financement public grâce au département de justice, mais on parlait avec Jeanne. Je crois que c'est important d'aller dans l'entreprise privée, de lui réclamer de l'argent parce qu'ils ont des départements de responsabilité sociale. Nous savons qu'il est difficile de soutenir un projet de prison. C'est plus simple pour d'aider le handicap, le cancer, les personnes âgées. Mais les femmes en prison, ce sont les grandes, grandes oubliées. En cherchant à générer ces ressources propres, nous avons fait ce livre et nous sommes en train de mettre en place une activité de team building. Quelquefois, les entreprises font, par exemple, un alpiniste leur dit si j'ai grimpé jusqu'au sommet de l'Everest, vous aussi pouvez, etc. Donc, une femme qui a fait un séjour en prison, comment elle ne serait pas capable d'expliquer ce qu'est la résilience dans des équipes d'entrepreneurs. Et nous voulons faire que ça génère des ressources pour pouvoir soutenir nos projets photographiques. Ici, le photolivre, nous le vendons sur notre site web et nous allons davantage porter de projets dans les prisons pour femmes. Merci beaucoup. Bonas, ça me sent bien. Bonjour. Il y a une vidéo également. Je pense que peut-être ce serait bien de voir la vidéo d'abord, si on peut avoir le son, s'il vous plaît. Je commence donc et je fais la présentation. Notre projet, ça marche. Oui, ça marche.
petite vidéo résumée. Bien, c'était une vidéo pour résumer notre projet, le projet Oragai. Oragai, c'est le nom, c'est un nom japonais qui a une vocation communicative très forte. Le projet est un projet destiné à la communauté des jeunes qui en ce moment sont sous la tutelle de l'administration ou qui étaient avant sous la protection de l'administration. Il s'agit d'une fourchette de 16 à 21 ans parce que les jeunes qui sont sous la tutelle de l'administration sont des personnes donc protégées, il s'agit de personnes désemparées ou de personnes qui ont subi une maltraitance. En Catalogne, il y a à peu près 6 000 jeunes qui se trouvent dans des centres pour mineurs et leur réalité est très hétérogène. 60 % sont des hommes, 40 % des femmes, 15 % à peu près sont des jeunes qui ont une origine migrante non accompagnée. Lorsque ces jeunes se rapprochent de la majorité d'âge, en général, le problème devient plus compliqué parce que petit à petit, donc, l'administration abandonne leur tutelle et ils se trouvent face à un futur et un avenir vraiment très compliqué. À part ceci, ces jeunes souvent sont aussi très stigmatisés. Une stigmatisation en général et aussi de la part de certains partis politiques, extrême droite, etc. Donc le discours qu'ils construisent autour de ces jeunes est un discours basé sur la haine et la stigmatisation. Donc nous, avec notre projet Oragai, nous avons voulu donc nous consacrer à ce groupe de personnes. Également parce que nous sommes une coopérative du monde du cinéma. 6 personnes constituent notre coopérative. Nous sommes des producteurs, productrices, des scénaristes chargés de la gestion culturelle. Et nous pensons que le cinéma est un secteur beaucoup trop élitiste. Les narrations, par exemple, que nous trouvons dans le cinéma, oui, c'est vrai qu'il y a aussi des histoires de personnages dans l'exclusion, mais en général, ces regards ne sont jamais de l'exclusion elle-même. En général, c'est toujours cet homme blanc, hétérosexuel, avec beaucoup de ressources qui porte son regard. Et donc, ces communautés sont souvent très éloignées du cinéma. C'est pour cela que nous avons prévu ce projet. Ce sera déjà la 2e édition. Nous avons commencé également en 2020. Nos éditions durent une année, donc nous avançons petit à petit. Notre projet est un projet jeune et l'idée et donc de former ces jeunes en technique cinématographique pendant 6 mois. Je sais que sur la vidéo, vous avez pu lire 10 mois, mais en fait, c'est des projets de 6 mois. Nous faisons d'abord une formation. Nous leur donnons donc une formation en photographie, écriture de scénario. La deuxième partie, c'est le filmage. Eux, ils peuvent expliquer les histoires qui les intéressent. Et la troisième partie, c'est la diffusion de leur projet. C'est eux-mêmes qui présentent leur projet au Festival de cinéma et Institut. Sans doute, la partie principale de notre projet, c'est précisément la participation citoyenne, la déstigmatisation et l'inclusion sociale. Et comment procédons-nous? Oui, je sais que ça a l'air simple et que toutes ces choses que je viens de raconter peuvent être dites en 5 minutes, mais je vous assure qu'après, il faut chercher une application réelle. Il ne s'agit pas d'aller, par exemple, un jour frapper à la porte de la filmothèque ou d'un équipement public et de voir là-bas un film. Oui, d'accord, il faut aller voir ces films, mais il faut aussi accorder à ces jeunes un rôle de créateur beaucoup plus important qui permettent de les rattacher aux équipements culturels à partir d'une position de créateur. Pour nous, une chose qui était très importante, c'était de collaborer avec la Fabrica Coat. C'est une institution publique, culturelle,
Et pourquoi nous voulions travailler avec eux? Eh bien, parce que eux, ils ont déjà des contacts directs sur le territoire. Ce que nous faisons aussi, c'est les mettre en contact avec d'autres publics, par exemple des volontaires, des bénévoles qui nous aident. Je ne sais pas si je suis en train de monopoliser le temps. Peut-être que je suis en train de trop parler. Je ne sais pas. Oui, je termine peut-être deux minutes. J'ai tendance à trop parler. Bien, donc, un des aspects fondamentaux, c'est d'établir des relations avec des institutions et des équipements culturels. Travailler aussi avec les volontaires. Nous travaillons beaucoup avec l'École de cinéma de Barcelone, qui nous prête des volontaires qui accompagnent les jeunes pendant tout le projet. Il s'agit de jeunes qui sont en train de se former par rapport à la mise en scène, la photographie, et comme cela, donc, nos jeunes se mettent en contact avec des jeunes, d'autres jeunes de la ville. Nous travaillons aussi avec les écoles de théâtre qui donc comptent avec des volontaires dans le monde de l'art, des acteurs, des actrices. Et l'idée est que ces jeunes deviennent des créateurs, qu'ils finissent par faire deux ou trois courts-métrages. Cette année, par exemple, il y a deux groupes très clair. Il y a eu deux groupes thématiques très clairs. Le premier groupe centré sur la santé mentale et le deuxième groupe qui aborde la question des migrations. Et un fait que j'aimerais souligner, c'est que pour la première fois, ces jeunes sont les narrateurs de leur propre histoire. L'exercice le plus puissant, sans doute, c'est l'auto-représentation. Pouvoir parler de ce qui les préoccupe pour pouvoir créer une interaction réelle. Nous, nous travaillons avec 20 jeunes, oui, mais des jeunes dont la voix, nous aimerions qu'elle parvienne à beaucoup d'autres jeunes, parce qu'il ne s'agit pas seulement de projeter les films, mais aussi de déclencher des débats autour de sujets tels que le racisme, la moralité, la tutelle administrative, etc. Nous avons terminé la première édition. Nous sommes en train de commencer notre deuxième édition. La première, vous pouvez voir certains cours sur le site web Filming, le festival Terra Buyut. Maintenant, nous allons participer aussi au Film Festival de Gironde. Et l'idée est donc de bien positionner socialement ces jeunes pour comme cela, donc, il s'agisse de jeunes avec beaucoup plus d'autonomie. Bien. Étant donné qu'il est déjà un peu tard et parce qu'il y a beaucoup de questions que nous voulions poser, nous allons maintenant passer la parole au public. Au cas où il y aurait des questions, si personne ne souhaite prendre la parole, c'est moi qui poserai la première question. Avez-vous envie de participer? Avez-vous des questions par rapport à ces projets qui ont été présentés? Bien, sinon c'est moi qui vais poser ma première question. Oui, quelqu'un souhaite ici prendre la parole? Désolé, mais nous n'entendons pas la question. Apparemment, le micro ne marche pas car... En tout cas, en cabine, nous n'entendons rien. Y a-t-il... Non, nous sommes désolés, mais pas de son en cabine. Bon, madame répond. Oui, il y en a un à Valence pour les jeunes en général. Et après, il y a des festivals qui sont plus concrets par rapport aux sujets sociaux. En général, non pas élaborés par des jeunes sous tutelle, mais plutôt centrés sur la vocation sociale, l'engagement social. Par exemple, ici à Barcelone, il y a le festival Reyes Kin du quartier du Poblenou. Nous avons eu la première édition l'année dernière. Et Terra Goyut, qui également est un festival qui compte... sur une dimension sociale aussi très forte. Et en fait, bon, le festival Terra Goyut travaille déjà avec la Direction générale d'attention à l'enfance et l'adolescence. Et ils ont un jury de jeunes qui sont des jeunes sous tutelle de l'administration.
Ils ont donc été le jury du projet cinéma en cours d'une autre entité très forte. Et donc, voilà, c'est des exemples. Je suis sûre qu'il y en a tant d'autres. Je vais peut-être m'avancer là avec une question. Un des blocs que j'avais vu faisait référence à l'innovation. J'aimerais donc insister un petit peu sur ce concept d'innovation. Qu'est-ce qui rend ce projet différent d'autres projets du territoire ou d'autres régions? Cette idée aussi du potentiel de réplication de ces projets, leur durabilité. Je ne l'ai peut-être pas bien compris par rapport au projet occitan, mais par rapport au projet, par exemple, catalan, est-ce que vous pensez que ce projet pourrait se répliquer, pourrait être fait aussi dans d'autres régions ou par d'autres agents? Et j'ai aussi une autre question. Avez-vous fait une évaluation de votre projet? Et si vous avez fait cette évaluation, est-ce que c'est une évaluation quantitative, parce que c'est ce que les institutions demandent localement et internationalement? Parce que lorsque l'on évalue ces projets culturels qui ont un impact dans la société, je suppose que nous aurions besoin de mesures un petit peu plus concrètes pour nous rapprocher davantage de leurs valeurs sociales, n'est-ce pas? Quelle est votre opinion là-dessus? Qui souhaite prendre la parole? Je pense à répondre. Ça m'évoque une chose par rapport à la durabilité. Nous, on a, par rapport au travail avec Jos Pujol et la compagnie Singulier Pluriel, elle intervient depuis 2013. Donc, en fait, c'est un choix institutionnel de notre institution de venir prolonger ce travail avec une artiste et du coup de proposer cette offre pour tous les publics. Mais c'est dommage, le monsieur de l'Europe, il est parti. Je trouve intéressant de voir, là, on n'est pas dans le programme artiste. Je ne sais pas si vous recevez des fonds européens ou pas. Nous, ce n'est pas le cas. Cependant, tout le travail sur le langage et la langue, je pense qu'il rentre clairement, et la diversité de la langue, autour de la diversité des langues, il rentre clairement dans des questions qui sont des questions autour des droits culturels. Et je trouve intéressant, vous nous dites oui, est-ce que vous vous évaluez? En fait, ça demande, on le voit, hein, déjà beaucoup de travail de mener à bien ces projets et de les faire durer, de les ancrer dans la durée. Et l'évaluation, c'est très étonnant qu'on nous la demande. Moi, j'aimerais que les institutions, déjà, par exemple, on parlait de fonds européens, etc., qu'on doit aller chercher comme on décroche un pompon au manège. J'aime bien être un petit peu provocatrice, mais elle puisse aussi, peut-être ça serait aussi intéressant qu'il y ait une évaluation de la part de ces institutions qui donnent des fonds et qu'elles nous aident à faire de l'évaluation et qu'elles répertorient aussi des projets qui sont vertueux par rapport à, parce qu'en fait, on le voit, on est sur des économies de moyens et des économies, à la fois budgétaires, mais aussi des économies humaines. Nous, on est une équipe de 8 hein, pour produire entre 6 et 10 expositions par an et aller à la conquête et à la rencontre de nouveaux publics. C'est peau de chagrin. Et c'est vrai que je trouve intéressant cette question de l'évaluation, parce qu'évidemment qu'on le fait. On fait des chiffres, on fait remonter des chiffres à nos services, etc. Mais on est à la peine, en tout cas, moi je le vois hein, parmi mes collègues et en tant que professionnelle pour ça. Oui, en effet, l'évaluation, c'est effectivement important. Nous, on a la chance de concevoir des outils avec peu de moyens, avec des ressources propres. Que ce soit par exemple les carnets faciles à lire, patrimoine en image, c'est le coût de la plastification et d'une impression couleur, parce que nous on fait en interne, et le logiciel pour table tactile, en s'appuyant sur une école de programmation, effectivement on a la chance d'avoir commencé il y a 10 ans, et de pouvoir bénéficier d'un logiciel que l'on met d'ailleurs à disposition, et que l'on a mis à disposition au Centre des monuments nationaux, avec qui on a signé une convention de partenariat il y a 2 ans.
Et c'est vrai que du coup, nous pouvons faire évoluer très rapidement nos outils parce que nous sommes autonomes. On parle d'autonomie pour les personnes en situation de handicap. C'est aussi intéressant d'être autonome en termes d'outils et pour faire évoluer les outils. Donc c'est une partie qui est effectivement intéressante et qui nous permet d'à la fois d'exporter le savoir-faire et de le décliner sur l'ensemble des sites du département et sans forcément avoir de ressources et d'attendre des projets, des enveloppes financières qui sont des fois très difficiles à trouver. Bien, au début, tu nous posais la question au sujet de la possibilité de répliquer notre expérience ou de la rendre scalable. Bien, je pense que nous, ce que nous essayons toujours, c'est de reproduire notre expérience. Et c'est pour cela qu'évidemment, il faut qu'il y ait des ressources. L'évaluation. Quant à l'évaluation, je pense que la meilleure évaluation, c'est celle qu'ont fait les femmes dans la prison. Et c'est l'évaluation qu'elles ont fait dans l'atelier. Lorsque je justifie notre projet, moi, ce que j'aimerais, c'est aussi qu'un des techniciens vienne avec moi à la prison, visiter la prison de Brianz, que ce technicien voit comment les femmes nous accueillent. Ces femmes sont les meilleures ambassadrices, vraiment. Elles disent que le projet est fantastique. Et vraiment, ce témoignage féminin, c'est la meilleure évaluation possible pour moi. Il n'y en a aucune autre. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Des expériences qui peuvent être répétées ailleurs, oui. En ce moment, nous sommes en train, par exemple, de voir que la possibilité de notre projet est que le projet est interminable. Je veux dire, c'est un projet qui ne se termine pas avec l'atelier ou avec la présentation. En fait, c'est quelque chose qui peut continuer indépendamment du nombre d'éditions. Et c'est là où il y a un impact beaucoup plus fort, beaucoup plus visible. Nous, ce que nous souhaitons donc lors de notre prochaine édition, notre prochain pari, c'est d'ouvrir ce projet au reste de l'Espagne. Étant donné que nous sommes aussi en collaboration avec la Fabrica Coats, nous voulons nous mettre en contact avec d'autres usines créatrices. C'est un peu ce que nous disions avec Christine. Nous sommes ici en train d'aborder des sujets qui sont absolument transfrontaliers. Et donc, je pense que ce serait très logique d'avoir un dialogue à l'échelle européenne ou autre. En ce qui concerne les évaluations, nous en faisons constamment parce que nous recevons des subventions, etc., etc., mais aussi parce que nos projets sont de petits projets. Quelqu'un l'a dit aussi avant, il s'agit de projets où, une fois nous sommes dedans, nous ne pouvons plus les abandonner parce que l'engagement est fort, parce qu'il y a des liens aussi très solides, étroits. Je pense que c'est quelqu'un qui le disait avant. Qui disait tout cela avant. Et donc, l'évaluation pour nous est super importante. Savoir quels sont les besoins réels des jeunes avec lesquels nous travaillons pour pouvoir vraiment bien nous adapter à ces jeunes. Et pour aussi mesurer les objectifs. Comment faire en sorte que les impacts aille vraiment dans la ligne d'une déstigmatisation, d'une cohésion sociale, un impact par rapport aux compétences émotionnelles aussi. Et bon, je m'arrête ici parce que la liste est longue. Et donc oui, il y a une évaluation constante, mais surtout une évaluation qualitative. Et ces expériences pour nous sont des expériences centrées sur les processus. Ce qui nous intéresse, c'est le processus, peut-être plus que le résultat final. Oui, nous souhaitons une bonne qualité parce que grâce à cela, nous sommes dans filming et nous avons donc plus de répercussions. Mais nous voulons toujours accorder la priorité au processus. Le processus, c'est ce qui est au cœur de notre projet. Y a-t-il d'autres questions? Non? Bien, donc... je termine peut-être sur une dernière question. Moi, cela fait 30 ans que je travaille dans l'université. Avant, la plupart de conférences comme celle-ci étaient très académiques. Il n'y avait pas vraiment d'évaluation du design, de la conception des politiques. Et par contre, maintenant, on voit des journées chaque fois plus semblables à celle-ci. Et les regards sont toujours très différents. Par exemple,
on voit que dans tous ces projets, il y a différents agents, différents stakeholders, comme disent les Anglais. Vous travaillez avec des groupes vulnérables, mais après, dans votre cas, par exemple, Cédric, il y a des associations très variées qui interviennent. C'est ce qu'on a vu aussi ce matin, n'est-ce pas, dans le projet Artis. Je pense donc que cette collaboration entre le monde académique et le secteur est vraiment très puissante. C'est un projet ici européen qui essaye de mesurer l'impact de la culture et je pense qu'à partir de là, nous assistons à la naissance d'autres instruments d'évaluation. C'est ce qu'on disait avant avec Christina et Jana, 20 personnes, 50 personnes. Eh bien, au fond, nous sommes tous là et nous voulons tous collaborer pour que cet impact social soit plus visible, pour que cet impact social soit vraiment une réalité. À l'université aussi, nous faisons la diffusion. Et lorsque nous faisons des sondages, nous voyons qu'en général, une bonne partie de la société n'est pas consciente de la valeur sociale de la culture. C'est un peu ce que nous disions, n'est-ce pas, au sujet de réponses non conventionnelles aux défis sociaux. Vous, c'est un travail que vous faites tous les jours. Et nous, les pouvoirs publics, l'université, il faut vraiment que nous fassions confiance à la valeur sociale de tous ces projets pour que la société s'en rende compte aussi. C'est quelque chose que dont nous nous sommes rendus compte pendant la pandémie, lorsque nous étions tous confinés, mais parfois, nous l'oublions un peu. Donc, c'est quelque chose que je voulais ici mettre en relief, l'importance de la valeur sociale de nos projets et que l'on puisse écouter nos voix. Merci, donc, merci beaucoup. Merci au département de m'avoir donné cette opportunité de connaître de très près ces quatre projets, ainsi que tous les projets que j'ai écoutés ce matin. Et maintenant, nous allons peut-être passer à la musique, n'est-ce pas? Un applaudissement. Maintenant, dans quelques instants, il y aura donc l'espace musique pour cette pièce musicale de notre atelier de musiciens. C'est un projet inclusif qui s'appelle Cabal Musical avec Alex Serra qui va nous présenter en quelques mots Nuria Duran ainsi que son projet. Alex, quand tu veux. Si vols, Alex, fer una presentació del projecte. Si tu veux présenter le projet d'atelier, l'atelier des musiciens, et présenter Nuria. Et bon, sans plus, ce sera donc la clôture de notre journée. Alex. Bon dia, gracias. Bonjour, merci. Au Atelier de musique, depuis environ 10 ans, nous avons décidé de commencer à travailler sur l'inclusion sociale à travers la musique. Nous avons fait plusieurs projets que nous avons. Nous sommes dans 3 ou 4 projets sociaux. Je vous invite à visiter notre site parce que nous n'avons pas le temps d'expliquer ici les projets sociaux du Atelier de musique. Mais nous voulons vous en présenter un qui s'appelle Cabal Musical. Nous venons ici avec Nuria Duran, qui est un des exemples de succès de ce projet. Nous travaillons dessus depuis 2014. Et c'est la recherche de jeunes talents émergents qui n'avaient jamais songé à faire de la musique, mais qui ont des qualités innées et un talent pour la musique. Et nous, à l'atelier, nous leur donnons
les outils pour qu'ils puissent créer eux-mêmes leur propre projet musical. Il ne s'agit pas d'une formation académique, mais au niveau plutôt de leur de production ou de renforcement de leur capacité et de leur projet. Pour expliquer plus, pour expliquer rapidement, il y a différentes propositions. On fait une sélection préalable et ensuite on fait un casting où nous voyons la participation d'agents de domaine social, culturel. Et on ne choisit pas ceux qui le font mieux, mais ceux chez qui on détecte un talent potentiel qui leur permettent de travailler par la suite, comme c'est le cas de Nouria. Ce projet, pour l'instant, s'adresse à ce qu'on appelle la Franja Bajos, c'est-à-dire les districts de Barcelone de Nou Barri, San Andreu et San Martí, et Badalona, Sarrià, Moncada et Reixac. Ça s'appelle cabale musicale parce que ce sont ces jeunes talents issus des proximités du Besòs, le fleuve. C'est une formation qui ne consiste pas à apprendre à lire des partitions ou à un instrument donné, mais il s'agit d'un projet musical. Comment je dois faire les factures pour si je fais un concert, comment est-ce que je peux m'occuper des réseaux sociaux pour me faire connaître. Et nous leur proposons une figure très importante qui est celle du mentor qui va les accompagner dans les répétitions, pour les structures des chansons, pour les répétitions, etc. Par la suite, ils enregistrent entre 4 et 5 chansons. On choisit par la suite ce qu'on appelle le single, qui servira à enregistrer une vidéoclip. Et ensuite, ils font une représentation d'une demi-heure sur ce qui leur a permis de faire cela. Et à la fin de ce projet, à partir de deuxième année, nous faisons l'accompagnement ou l'entrée dans l'industrie musicale. C'est-à-dire que nous voulons qu'à la fin, ce projet social se termine par un projet qui a débouché du point de vue du travail. Donc Nouria, qui a commencé en 2007, donc en 2008, puisse commencer à faire des concerts et qu'elle puisse gagner sa vie à partir de ça. Nous savons que ce n'est pas facile avec la musique, mais ils font des concerts. Et donc, à partir de là, je laisse la parole à Nouria qui va vous expliquer son expérience. Je m'appelle Nouria Duran, comme a dit Alex. Je suis à Cabal depuis 2017. J'ai changement de projet, j'ai fait plein de choses, mais on m'a toujours accompagnée très bien et ils ont su me guider. Donc, je suis très reconnaissante de l'expérience au Taller de Músics. La première chanson vient de sortir actuellement. Elle est en catalan, vous pouvez la trouver un peu partout. Elle s'appelle Llagrimai. Cada dia et penso i ja no hi ets aquí. Cada nit t'enyoro i no puc ni dormir. No assimilo que em costa respirar. De pensar que vas voler marxar.
dia rere dia em costa més plorar. Hi ha una guit que embossa i tanca els llagrimalls. Vull dir-t'ho tot, però per on començar? I és que recollo cada llàgrima que cau en un potet per veure-les el dia que ja no et trobi a falta i així com a mínim pensar-te per molt que faci mal. I ara saps que en penso, però no sé de tu. Només una foto pública al teu mur. Tot fa sentit com més que vas marxar. I ara m'entenc que això és la soledat. I perquè recollo cada llàgrima que cau en un potet per veure-les el dia que ja no et trobi a falta i així com a mínim pensar-te per molt que faci mal. Per molt que faci mal, jo vull pensar-te. Per molt que faci mal, i vull pensar-te, i així no hauràs marxat. Merci. Segueixo. Aquesta es diu June i està en anglès. Et maintenant, une en anglais. Where are you now? I thought we had a pact. You stand by me. And I try to fall out of love with you. But now everything is changing. Now everything is such a wreck. Now everything is turning black on my end. I can feel the pressure of your arms even if I tried. I can hear the sadness of your voice if I close my eyes. And I cannot remember how you smell. Oh, how I miss your sweet smell. What will I do? My plans, they count on you. And I do too. 'Cause I
don't know what happens this last June, but now everything is changing. Now everything is such a wreck. Now everything is turning black on my end. I can feel the pressure of your arms even if I tried. And I can't hear the sweetness of your voice if I close my eyes. And I cannot remember how you smell, oh how I miss your sweet smell. Where are you now? I thought we'd work it out. Merci. Vaig a fer un tema que és una mica més animat, que es diu Garden, i està inspirat en Alicia en el País de les Meravelles, que és la meva història preferida. Why don't we meet up? I'll take you to a garden, flowers all around you, oh. Stop with all the teasing, I just know you won't hear just as much as I want to. Let me take you to my favorite place. Let me take your hand, you won't regret. Let me show you my wonderland. Let me show you. Let me show you my wonderland. Wonderland, wow, wow, wonderland. There's no rabbits here, the time belongs to me, and I will spend it all on you. Do not fear the queen, cause she's the one you're with, and I will lead you to my palace. Let me take you to my favorite place. Let me take your hand, you won't regret. Let me show you my wonderland. Let me show you. Let me show you my wonderland, wonderland, wow, wow, wonderland. Cause here they come, cause here they come, cause here they come for me. Cause here they come, cause here they come, cause here they come for me. Let me show you my wonderland. Let me show you. Let me show you my wonderland. Wonderland, wow, wow, wonderland. Wonderland, let me show you. Let me show you my wonderland. Wonderland, wow, wow, wonderland. Merci.
Bé, i ja vaig a l'última. Aquesta que faré també és de les últimes que he tret, que és, bueno, van sortir divendres. I aquesta es diu Picasso i també és l'enteta Jo vuelvo a lo mío. S'appelle Picasso et je reviens un peu à mes origines. Perdó, és molt oblidat. Bueno, doncs no faré Picasso. Gràcies. Vaig a fer el single del... Je vais faire le single du premier disque que j'ai fait avec Cabal, qui s'appelle River. Et il y a un clip, un super clip sur YouTube, si ça vous intéresse. I got your eye across the room, as if we were the only ones at that same place at that same time. I turn my head and take a breath. I look back, there you are again. I know you see me and I know you see, I see you too. But you keep fucking up my head. You know I want you and I know the boy you want me too. I'm gonna take the next step. Oh, you got me falling down deep into the river. Yeah, and oh, I'm being dragged within the flow of your words. Words, and it won't stop, it drowns me. I can't see clear, you've got me. Oh, you got me falling down deep into the river. Oh, this track takes me back to that night, as if we were on that bench. I know you see me and I know you see, I see you too. But you keep fucking up my head. You know I want you and I know that boy you want me too. I'm gonna take the next step. Oh, you got me falling down deep into the river. Yeah, and oh, I'm being dropped within the flow of your words. Oh, words, and it won't stop, it drowns me. I can't see clear, you've got me. Oh, you got me falling down deep into the river. Oh. Tell me, how are you moving on? Why am I not more than a friend? These waves written me in your net. I don't know if I want to escape. Doncs moltes gràcies a totes per escoltar-me i merci al Cabal per convidar-me. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Et à bientôt, j'espère.
Bien, donc c'est une fin magnifique. Merci, Nouria, avec ta voix, tu nous donnes de la force. Et sans plus, donc j'aimerais tout simplement vous remercier. Merci pour votre travail et à bientôt. On continue donc avec cette collaboration, ce travail pour l'inclusion, pour la culture, parce que c'est vraiment le futur. Et sans plus, merci, merci beaucoup. Et à bientôt. Merci, Nouria.